Si
t'a cru à construire l'accomplissement de ses promesses. We have
silobina kozonga kozonga mopembo ezali ndeli wandeo nakei kasilobina kozonga mayama mopembo ezali ndeli wandeo totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi e kakei kasi lobi na kozonga atandeleo mopembo ezali ndeli wateo kakei kasi lobi na kozonga bakoyanga bakoyambanga mopembo ezali ndeli wateo nakozonga mboka kakei kasi lobi na kozonga ayebayama mopembo ezali ndeli wateo atandeleo tokozonga Kinshasa pasio yo eleki eninyokolo mboka ya mopaya pasi baninga atandele tokozonga Kinshasa pempeni ya bayeba kaka yo atandele tokozonga mboka o mboka babota biso atandele kakei kasi lobi na kozonga nakozonga mopembo ezali ndeli wate o baninga kakei kasi lobi na kozonga zalisela mpo ya ngonga e mopembo ezali ndeli wate lobi tokozonga mboka kasilobi na kozonga mopembo ezali ndeli wate o nakei kasilobi na kozonga Kinshasa mame mopembo ezali ndeli wate o nakei kasilobi na kozonga mopembo ezali ndeli wate o nakei kasilobi na kozonga Akei kasi lobi na kozonga zonga tempo ni mopembo ezali ndeli wate o na kozonga na kozonga.
dans lequel il faut appuyer pour que la fête soit sauvée. Dis le mot pour la fête afin que la fête soit sauvée. J'essaye de me libérer de vous, vous les révéler contre moi. Bonsoir, c'est trop long, bonsoir, franchement parce que je suis vraiment en retard de l'émission aujourd'hui des Éveil de la Conscience, et oui, le retour de l'Éveil de la Conscience, notre émission, évidemment, vous avez vu peut-être tantôt, si vous nous avez bien suivi. On est en train d'arranger un peu l'écran vidéo, l'écran télévision, parce que évidemment c'est une radio TV, donc on peut aussi capter l'image de là où je suis, donc c'est vraiment génial. Alors franchement, ce que je peux simplement dire, c'est que veuillez encore nous excuser vraiment d'encore ces 30 minutes de retard parce qu'on avait dit 20h30. Oulala, donc là c'est vraiment pas, c'est toujours des problèmes techniques par moment. Donc des fois on peut être prêt, mais il y a quand même des interférences, il y a des petits problèmes qu'on arrange. Donc je salue tout le monde qui nous capte en ce moment précis. Ça c'est vraiment aujourd'hui, donc c'était le lancement du retour de l'émission Éveil de la Conscience. Ça c'est mon émission, évidemment cette émission Éveil de la Conscience, nous parlons plus de problèmes qui sont purement congolais, donc par moment aussi nous disons de notre langue maternelle et l'une des langues nationales du Congo, donc le Lingala. L'émission d'aujourd'hui, donc c'est une émission par moment, je parle aussi en Lingala, donc je salue tout le monde, vraiment je vous salue, vous tous qui êtes captés, vous tous qui êtes vraiment gentils, vous nous captez en direct de votre maison, de vos internet, donc je vous salue de la part en direct de Mama Feza de l'Éveil de la Conscience. Et oui, donc là je suis de retour, cette émission de l'Éveil de la Conscience, effectivement comme j'ai bien écrit, j'ai bien expliqué un tout petit peu dans la publication que nous avons balancée, j'ai bien expliqué que bon voilà, l'émission de l'Éveil de la Conscience, vous avez bien remarqué un peu son absence dans nos radios de la diaspora congolaise, évidemment compte tenu des événements, compte tenu de certaines circonstances pas trop agréables non plus, mais bon, nous avons fait quand même un peu de recul, mais pas tout à fait du recul. Pourquoi? Tout simplement parce que Mama Feza avait toujours opéré sur le Facebook, le réseau social qui rassemble un peu du monde d'un peu partout,
le réseau social qui nous capte avec ceux des États-Unis d'Amérique, le Canada et la France, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, la Suisse, l'Angleterre et pourquoi pas aussi ceux de l'Afrique et évidemment aussi de l'Asie. Donc ces réseaux sociaux là, ça nous a permis aussi quand même de continuer à exercer toujours nos messages et tout ça, donc nos échanges virtuels avec des amis, avec des connaissances, avec des collègues. Donc c'est bien. Et alors là, comme je suis en retard, mais je vous dis, vous allez aimer cette émission parce que le retour de quelque chose a toujours apporté une certaine modification, une certaine maturité et aussi une maîtrise de certaines situations aussi, parce que dans le temps, on n'avait pas vraiment trop de maîtrise de certaines situations. Éveil de la conscience. Ça, c'est la vision de Maman Feza. C'est ce que j'ai toujours prôné. Pour la problématique, par exemple, qui touche notre pays, la République démocratique du Congo, d'où nous sommes venus, d'où nous sommes nés, d'où nos origines remontent. Oui, éveil de la conscience était né suite à la crise que traverse la République démocratique du Congo et en même temps à l'imbroglio qui règne dans la diaspora congolaise entre des leaders, entre aussi la diaspora, entre aussi les conflits avec tout ce qui agresse les pays, le Congo. Donc, une confusion de choses qui avait poussé Mama Feza, que je me prénomme aussi par moment la patriote, pourquoi pas, parce que j'aime ce pays-là. C'est le pays de mes racines, donc la RDC, c'est un pays, même si nous sommes de loin, il y a aussi, même dans la Bible, oui, vous savez, Maman Feza a toujours parlé de la Bible parce que je suis aussi chrétienne, je suis prédicatrice. Ce n'est secret pour personne. Donc, on assume cette identité-là. Et évidemment, cela ne veut pas dire parce que, bon, on a une telle foi qu'on néglige aussi notre pays. Non, loin de là, loin de là, loin de là. Donc, voilà, à cause de ça, aujourd'hui, vous allez maintenant écouter le retour de l'émission Éveil de la conscience. Comme j'avais déjà balancé l'invitation, en fait, la publication, j'ai dit que c'est un retour. Je vous ai donné quelques passages pour quand même essayer de vous attirer votre attention de ce que réellement j'allais quand même dire à travers cette émission. Éveil de la conscience. Les mamans, les papas, les enfants ou les jeunes qui ne dorment pas encore et qui sont là devant leur internet et qui peut-être au hasard ont pu tomber sur cette publication, peut-être que vous êtes bien là en train de manger ou en train de faire quelque chose, écouter la musique et tout ça, et bien évidemment soyez maintenant branchés chaque jour, enfin je ne peux pas dire chaque jour, là j'exagère un peu, chaque mercredi 20h30 heure de Paris, soyez captés. Écoutez l'émission Éveil de la conscience. Éveil de la conscience sur cet espace audiovisuel, l'Am Africa World. Ça va toujours vous nourrir de messages. Le but, c'était quoi? Le but, c'était que il fallait alors comprendre certaines choses, certaines crises, certains problèmes, certains dossiers. Mais alors, le juger à travers le motif et sonder encore pour comprendre un peu les problèmes que nous traversons. Et après cela, nous pouvons aussi user de certaines actions qui pourront peut-être à nous amener ou qui pourront peut-être nous amener à des résultats positifs. Voilà pourquoi, ayant compris que sans la prise de conscience, nous ne pouvons pas avancer dans notre lutte, c'est-à-dire la lutte de soutien pour ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ce n'est secret pour personne actuellement parce que le monde entier écoute et voit avec un regard peut-être aussi hésitant ou indigné ou alors impuissant face à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Tout le monde bouge sous l'effet
de ces événements marquants, le problème de viol des femmes, les guerres et tout ça là. Oui, c'est vrai, je ne suis pas politicienne, mais je suis une femme qui compatit face à la souffrance de ses sœurs, de ses enfants qui deviennent tout d'un coup orphelins, de ses enfants soldats, de tout cela. Donc tous ces malheurs nous écœurent, tous ces malheurs nous révoltent. Alors nous avons aussi voulu hausser les tons pour condamner ce genre de pratiques. Sans savoir le dessous de la carte, Mama Feza, au début de cette émission, parlait simplement pour exprimer ses émotions, pour tout simplement crier comme une folle, mais néanmoins certains ont pu capter ce que j'allais dire. Alors, aujourd'hui, donc, en cette date du 6 mars 2003, donc c'est le retour. Donc, toi et moi, toi qui écoutes Mama Feza dans vos écrans là-bas, sachez que chaque mercredi 20h30, Mama Feza est revenue. Et j'appelle ça maintenant le micro de Mama Feza. Parce que si vous êtes l'un de mes invités sur ce plateau de l'éveil de la conscience, certainement, c'est parce que vous nous avez captivés. Vous nous avez intéressés par vos actions, par vos déclarations, par tout ce que vous pouvez faire. Et alors, cette émission Éveil de la conscience peut aussi vous inviter. Alors, un retour n'a jamais été sans raison. Ça, je tiens d'abord à attirer votre attention. Tout d'abord, je remercie mon Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force, la santé, le souffle de vie. Parce que sans lui, je ne pourrais pas être parmi vous. Parce que nous avons aussi subi des combats terribles. Or, il y a des archives qui sont même sur le YouTube, le menace et tout ça là. Mais bon, toutes ces choses-là, moi, je pardonne. Je pardonne, Maman Feza est toujours présente. Hein, je tiens encore à rappeler ceux-là qui disaient, Maman Feza, oh, tu y es toujours là, tu es ressuscité. Mais bon, on ne te voyait plus. Mais non, vous ne me voyez pas parce que vous n'êtes pas dans mon milieu. Si vous étiez dans mon milieu, Maman Feza a toujours été là. Demandez à ceux qui sont toujours restés mes amis sur Facebook, ils vous les confirmeront. Donc, le retour. Je veux simplement vous dire l'importance d'un retour. L'importance d'un retour, c'est quoi? Un retour, lorsque la personne revient, c'est que peut-être tout n'a pas été peut-être dit, ou peut-être tout n'a pas été fait comme il faut, ou peut-être il y a eu quelques dérapages. On revient encore sur la même place pour essayer encore de reprendre quelque chose, ou alors on n'avait pas bien compris la vision de l'éveil de la conscience que prenait Mama Feza. Oui, Mama Feza. Pourquoi Mama? On avait déjà expliqué. Parce que nous sommes de mère d'abord. Amour maternel. Nous sommes de Mama. Et nous sommes de ces femmes qui se sont inspirées de l'histoire d'une femme qui avait aussi d'autres vocations, d'autres fonctions. Mais lorsqu'il y a eu un problème dans son pays, cette femme s'était levée comme une mère. Et ça aussi, c'est un message. Chaque particularité des choses apporte toujours un message. Et ce message, je viens encore vous l'expliquer aujourd'hui. Le sens du retour. Vous avez vu l'explication ou le sous-thème de l'émission Faux calcul. Je vais expliquer cela tantôt. Quand nous allons revenir dans notre deuxième partie de l'émission, et là peut-être, je vais peut-être mettre peut-être l'écran vidéo où vous allez voir vraiment Maman Feza en face. Vous me regardez pour voir vraiment que je suis bien là en chair et en os. Ce n'est pas une fantomas, si ça existe aussi fantomas pour une femme. Voilà, c'est pas une fantomas, c'est bien une femme réelle. Alors, avant qu'on parle du faux calcul, j'aimerais vous parler aujourd'hui de sens du retour, parce que c'est le retour de l'émission Éveil de la conscience. Le sens du retour, on revient lorsque peut-être on a oublié quelque chose, lorsque peut-être on a omis de dire certaines des choses qu'on n'a pas bien compris, ou lorsque peut-être on a réalisé comme si on était mal saisi. Alors on revient. Je vais vous donner un exemple banal. L'émission Éveil de la conscience a toujours été en Lingala.
Mais pour l'introduction, pour la bonne compréhension de ceux qui ne comprennent pas Lingala, eh ben, écoutez-en déjà aujourd'hui. Parce que après, quand j'entre dans mon thème, donc je suis en train maintenant de m'adresser à notre communauté congolaise de la diaspora, c'est-à-dire RD congolaise de la diaspora. Parce que, bon, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de commencer à parler tout sur l'Afrique, évidemment, il y a une émission Afrique Terre d'Avenir. Je vous signale demain, déjà, le 7 mars, vous aurez l'émission Afrique Terre d'Avenir qui est donnée par notre compatriote d'origine togolaise, Chababa, et il va le faire avec un invité aussi. Donc, dans l'Afrique Terre d'Avenir, cela nous permet aussi de parler aussi dans sur la problématique qui règne ou qui se trouve aussi dans certains pays d'Afrique. Le sens du retour, c'est tout simplement parce que lorsqu'on a réalisé aussi qu'on n'avait pas bien saisi la chose, alors on y revient. Donc c'est comme je disais aussi, c'est que vous allez voir aussi même, comme j'ai toujours aussi eu, hein, comme d'habitude vous le savez, par moment j'ai toujours mentionné les écrits de la Bible, je ne peux jamais m'en passer parce que bon, ma foi avec la Bible, tout ça, là je suis prédicatrice, j'ai souvent quand même eu le temps de lire cela pendant un bon moment. Je suis une lectrice de la Bible, non seulement la Bible, je lis beaucoup de livres, je lis beaucoup beaucoup, mais alors tellement beaucoup, et ça fait que comme si j'ai l'impression d'avoir le monde entier sur ma tête, mais j'exagère un peu, mais tout de même j'ai comme l'impression d'avoir le monde entier sur la tête parce que je lis beaucoup. Et toutes ces lectures-là a forgé à moi le caractère que vous vivez, peut-être que vous palpez en moi. Voilà. Donc, ça veut dire le retour, parce que tout n'a pas été dit. Donc, je reviens pour expliquer les choses. J'ai parlé en bref dans la publication que, voilà, Éveil de la conscience avait aussi pour objectif essayer de veiller la conscience de la communauté congolaise. Mais cette vision aussi va plus loin pour aussi parler aussi entre nous, les Africains de la diaspora. Parce que nous avons aussi, n'oubliez pas, certaines difficultés que nous traversons, que nous avons ici, dans la diaspora. En Occident, je vais dire. Et alors, cela nous avait quand même aussi fort touché pour que nous parlions aussi, nous mettons aussi un temps pour s'interroger entre nous, se poser des questions entre nous. Donc voilà pourquoi la prise de conscience a été choisie comme modèle des solutions, hein, comme un remède face à la problématique de notre pays ou de notre communauté congolaise ou africaine, pourquoi pas. Le retour de l'éveil de la conscience, je réitère encore à chaque fois lorsque nous démarrons l'émission Éveil de la conscience, pour la bonne compréhension de certaines personnes, peut-être que c'est pour la première fois que vous écoutez Éveil de la conscience. Éveil de la conscience avait pour but aussi d'attirer l'attention de peuple congolais, de comprendre aussi leur histoire, leur identité, parce que nous, dans Amafrica, la passion de l'histoire nous captive. Oui, la passion de l'histoire, parce que nous aimons bien l'histoire, le passé, l'histoire, évidemment si elles ne sont pas des histoires fausses. Mais en tout cas, l'histoire nous passionne et l'histoire nous apprend des choses. Ça nous aide à comprendre le présent. Et lorsque on comprend l'histoire et qu'on comprend le passé, on saura mieux aussi comprendre le présent. Le futur, cela appartient à ce que vous faites au présent. Celui qui veut être riche va beaucoup bosser au présent, parce qu'au futur, ça va récolter des fruits. Éveil de la conscience. La conscience, par sa définition du dictionnaire Larousse, je réitère encore, perception, connaissance plus ou moins claire de notre existence et du monde extérieur qui nous entoure. Connaissance plus ou moins claire de notre existence. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la définition de la conscience selon le dictionnaire Larousse. Connaissance plus ou moins claire. Lorsque tout le monde, lorsque des gens arrivent à se dire, prenons conscience,
c'est qu'on veut vous attirer l'attention. C'est que peut-être quelque part, vous ne comprenez rien. Ou bien quelque part, vous n'avez pas la notion de ce que vous faites, ou de ce que vous dites, ou de ce que vous êtes. Vous savez, il n'y a pas une mauvaise chose qui puisse arriver dans la vie d'un humain si ce n'est la perte de l'identité. Lorsque vous perdez votre identité, que vous ne vous connaissez pas, d'abord vous-même, vous ne connaissez même pas l'histoire de votre origine, l'histoire de votre pays, l'histoire de votre tribu. Mais laissez-moi vous dire que dans la vie sur terre, l'humain hérite des choses de ses parents au travers le lien du sang. Et ces liens du sang, vous allez vous voir en train de faire des choses, en train de vous comporter, sans pour autant comprendre que quelqu'un plus tard ou quelque part dans votre famille l'avait fait. Laissez-moi vous dire ceci. L'éveil de la conscience qu'avait prôné Maman Feza n'avait rien de la résistance, rien de la haine, rien si ce n'est que tout le monde doit avoir la conscience. Perception, connaissance plus ou moins claire de notre existence et du monde extérieur. D'abord, avant qu'on arrive du monde extérieur, est-ce que tu te connais toi-même? Mon frère, ma soeur, Congolais, Congolaise, est-ce que tu te connais toi-même? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en toi, il y a une identité. Tu es Congolais, mais de quel côté? Je ne suis pas en train de prêcher le tribalisme. Parce que certaines personnes, pour échapper à de tels sujets, ils vont venir vous dire, « Ah, maman, fais ça, mais là, vous allez aller au tribalisme, là. » Non, ce n'est pas du tribalisme. Le tribalisme, c'est lorsque vous n'aimez que le genre de votre tribu, lorsque vous ne favorisez que le genre de votre tribu et que les autres, vous n'appréciez pas. Là, je suis en train de révéler, de vous dire, connaissez, c'est-à-dire connais-toi toi-même. On devrait comprendre le pourquoi nous sommes des Congolais, pourquoi nous sommes venus du Congo, mais pourquoi pas un autre pays? Pourquoi être Congolais? Et quand on parle d'être Congolais, Congolais est composé de plusieurs tribus. Votre tribu, c'est d'où? Quelle est l'histoire de votre tribu? C'est, voilà pourquoi vous avez vu dans l'émission sur le Congo, parlons sur le Congo, que j'ai balancé un peu, excusez-nous quand même, la vidéo n'était pas, je crois l'enregistrement avait peut-être échoué. Donc, on va vraiment faire un effort. Vraiment, il faut nous aider au point de vue matériel. Donc, il y avait quand même certains problèmes. On devait quand même vraiment le mettre en ordre. Et maintenant, on commence à ranger tout doucement. Donc, excusez-nous peut-être les sons où il y a quand même quelques bruits et tout ça qui rentre. Mais dans l'émission, en parlant sur le Congo, nous avons quand même essayé d'élucider certaines choses. Et si vous visitez nos sites, amafricaworld.com, là où nous archivons beaucoup d'articles, des devoirs de mémoire et... Des devoirs de mémoire, c'est plus basé par l'histoire vraie ou des histoires enregistrées dans le monde et tout ça là. Et puis évidemment, lorsque vous lisez de ces histoires, vous pouvez encore puiser loin dans vos recherches. Je n'ai pas dit que tout ce que nous avons, c'est l'exclusivité de vérité, mais c'est quand même, vous allez voir dans chaque article, dans chaque document archivé sur le devoir de mémoire, cela vous permet déjà à partir de la source de l'information d'aller encore plus loin. Voilà pourquoi, vous avez vu, nous avons aussi balancé les études. Une rubrique est ouverte sur les études des ethnies, par exemple, du Congo. Il fallait qu'on puisse se comprendre d'abord. Les chrétiens me diront, mais nous, nous sommes chrétiens, donc je suis une nouvelle création. Non, attention. Si cela était important, comme l'on dit souvent que le salut vient des Juifs, mais il fallait que les Juifs s'ignorent. Il fallait que l'apôtre Paul oublie même qu'il était de la tribu de Benjamin. C'est très, très, très important. Un instant. Oui, allô?
Oui, je suis en direct. Vous pouvez passer directement sur Skype. Vous m'appelez, vous rentrez au studio. Oui, 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 je vous vois en ligne. Je peux vous passer la demande alors, parce que vous étiez l'invité, oui. Oui, c'est pas grave. Non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que là, je suis en train de parler et là, on m'écoute aussi en direct en même temps, parce que vous êtes l'invité. Donc, moi, je vous prends sur Skype et vous gardez simplement les micros fermés et je vais vous passer la parole. Ok, oui, oui, oui. Merci, oui. Je vous prends sur Skype. Merci. Voilà, voilà, donc ça c'était l'invité du jour de cette émission, excusez-nous quand même, évidemment parce que j'ai bien remarqué aussi son numéro, c'est l'invité, il va rentrer tantôt sur le plateau, vous avez vu la publication. Si vous n'avez pas vu la publication, donc j'ai quand même un monsieur très important qui nous amène aussi une certaine découverte, des choses quand même assez importantes parce que, vous savez, éveil de la conscience, c'est toujours apporter quelque chose qui amène conflit, qui amène polémique et qu'on arrive aussi à mettre sur table et on explique. Voilà. Donc, pour dire vraiment, c'est que le retour de cette émission est là vraiment pour essayer de vous éclairer, de vous amener vraiment dans la lumière des choses. Alors, la conscience. Quelqu'un doit se connaître. J'ai dit aux Congolais qui se disent être même chrétiens, parce que j'ai fréquenté beaucoup ce milieu et c'est très important, la plus grande communauté congolaise s'est réunie dans des églises du réveil. Et alors, c'est très important aussi pour cette émission de lever la conscience, de dire à ces gens-là, vous ne pouvez pas oublier votre origine. D'autant plus que la foi que vous prenez, les juifs que vous suivez, le culte et l'adoration de Dieu, eh bien, ces gens-là avaient de la considération pour leur tribu et pour leur histoire. Si votre histoire, anciennement parlant, il y avait, vos ancêtres avaient commis des erreurs ou des péchés, il est dans votre avantage de le savoir aussi, de le découvrir. Pour que vous arriviez peut-être à refuser ce qui était mauvais. Mais si vous ne le savez pas, ça va vous lier toute votre vie. C'est ça le sens de l'éveil de la conscience. Donc, un retour qui se veut encore éclairer ce qu'on n'avait pas bien saisi. L'éveil de la conscience, c'est ramener quand même, essayer de ramener la lumière sur certaines choses. Ramener la lumière sur peut-être, pourquoi pas, la crise que notre pays traverse. Évidemment, nous savons ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, comme certaines personnes sont en train de nous répéter sans arrêt, mais en tout cas dans l'éveil de la conscience, nous savons que la RDC par exemple est un problème tout complètement spirituel. Et alors, comprends que tu as une identité, tu as une origine, les ancêtres, tes parents avaient une tribu, et que pour ceux qui sont comme des chrétiens, je dis bien parce que l'éveil de la conscience touche à tout le monde. C'est la loi de la conscience que tout être humain, athée, croyant ou que sais-je, ou qui que ça puisse être, a la conscience en lui. Cette conscience te dira, cette deuxième voix qui te dira, n'agis pas comme ça, ne fais pas ça. C'est cette voix de la conscience et de subconscience qui te ramène à se dire non, je ne veux pas. C'est ça, c'était le but de la prise de conscience ou de l'éveil de la conscience que nous avons prôné. L'objectif c'était quoi? Que toi et moi nous comprenions. Il est vrai que tous ne comprennent pas pareil, tous n'écoutent pas pareil. Veuillez m'excuser, il faut fermer juste votre micro pour que ça ne dérange pas les bruits, merci. Alors, la prise de conscience, si tu connais déjà ton identité, c'est pourquoi je répète encore, il n'y a pas quelque chose de mauvais qui puisse arriver à un être humain si ce n'est que de perdre son identité. Perdre son identité, ou quelqu'un qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas son origine. Je suis congolais, mais vous êtes congolais de qui? De quoi? D'où? Oui, je suis congolais seulement. Bon, je suis né à Kinshasa, la capitale. D'accord, mais tu es né dans la capitale, ça veut rien dire. Dans la capitale, il y a des gens qui sont originaires de même de cette capitale là que vous parlez. Vous venez d'où? Et alors là, vous voyez la personne en train de tâtonner. Et si la personne tâtonne, c'est quand même, il faut se poser la question avec
cette problématique de la crise identitaire, on peut quand même comprendre aussi que, voilà, que la personne n'arrive pas bien comprendre son origine. Bon, alors, mais c'est très important aussi. Parce que la conscience, comme il est défini dans la Rousse, connaissance plus ou moins claire de ton existence et du monde extérieur. Avant de l'arrivée du monde extérieur, est-ce que tu te connais? Donc, quelqu'un qui est en train de balbutier, qui est en train de tâtonner sur son origine, sur son tribu, sa tribu, alors il y a des questions à se poser. Donc, vous venez d'où? Et ça, c'est très important d'abord, connais-toi toi-même. Et quand tu te connais, tu comprendras aussi certaines des choses que tu es en train de faire, ou tu es en train peut-être de devenir un obstacle, un problème dans la communauté, parce que peut-être ça s'est trouvé dans votre famille. Ben, comment t'en sortir? Paul disait, je suis de la tribu de Benjamin. Mais il fallait qu'il lise cela. Or, il y a aussi une histoire dans la tribu de Benjamin. Il y a des choses, il faut le dire. Connaissance plus ou moins claire de ton existence. Regardez ce qu'il y a encore de très important. Même la foi qu'on prône le chrétien. Jésus, Yoshua, était de la tribu de Juda. Mais il fallait qu'on dise, il est le lion de la tribu de je ne sais quoi, du ciel. Mais pourquoi on a aussi mentionné le lion de la tribu de Juda? Cela ne voudrait pas dire qu'ils sont séparés des autres frères israélites. Toutes ces tribus formaient en tout. C'était 12 tribus d'Israël. Mais chaque tribu avait son histoire. Connaissance plus ou moins claire de ton existence. Tu es mon Sakata, tu es ceci. Comprenez d'où vous êtes venu. Tu es mon Gala, oui, mon Gala, c'est vague. Il y a aussi des Bangalas, j'ai appris dans l'histoire. Tu es Mongo, tu es Moussaïli, comprenez votre histoire. D'ailleurs, le Moussaïli n'existe pas, ça c'est très important aussi. Moussaïli, c'est une langue qui regroupe tous ceux qui parlent Swahili. Mais il y a aussi des tribus qui le composent. Connaissez votre histoire. Je vais vous dire que, comme je sais que la communauté congolaise, la plupart, sont vraiment dans les églises, voilà pourquoi certains de mes messages aussi se pointent aussi vers eux pour qu'ils comprennent. C'est ceux qui ont précédé, ceux qui ont commencé la foi, ont eu aussi par moments à mettre l'accent sur la tribu, c'est qu'il y a quelque chose. Mais ça se trouve dans vos Bibles, lisez bien. Lisez bien dans l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a eu des peuples de plusieurs nations, des peuples de toutes langues, de toutes tribus. Mais vous, aujourd'hui, si vous perdrez votre histoire, votre tribu, votre pays et tout ça, vous allez vous présenter comme quoi? Des peuples de quoi? De nulle part. Mais heureusement, on n'a pas écrit ça, de peuples de nulle part. Non, c'est de peuples de toutes langues, de tribus, de tout pays, de toutes nations. Donc, chaque peuple a son histoire et chaque peuple sera sauvé à la manière de leur origine et de leur histoire, la manière dont ils comprennent les choses. Il faut que la spiritualité qui contrôle le naturel puisse arriver à faire quelque chose dans le naturel de vos vies, dans le naturel de votre famille, quelque chose de changement. C'est ça l'objectif de la prise de conscience. D'abord, ton existence. Raison pour laquelle Amafrica opte aussi pour le détachement du passé qui concerne la traite négrière. Or, dans la traite négrière, nous avons des Afro-Américains qui ne connaissent pas leur identité. Ce sont des hommes perdus. Mais actuellement, il y en a qui font des démarches parce qu'ils veulent se retrouver, retrouver un peu leur identité, leur origine. Ils font des tests d'ADN pour pouvoir un peu se situer dans quel pays, dans quel coin d'Afrique. C'est très important. Ces besoins-là, ils ont besoin de ça. Et vous avez besoin de comprendre votre histoire. Voilà pourquoi dans notre site, vous voyez qu'on est en train aussi de parler, de montrer vraiment aussi, de vous mettre, de vous balancer. C'est tout un effort que nous faisons. C'est à féliciter d'ailleurs. Chercher, puiser et mettre dans le site, c'est parce que nous vous l'avons aussi donné. Il faut aimer la connaissance des choses. C'est très important, c'est riche.
Et pour finir, parce que on va entrer dans la deuxième partie de notre émission, parce que nous avons aussi une invitée ici qui va quand même nous faire part aussi de ce qu'il nous apporte. Comme j'ai dit aussi, l'émission, c'est aussi en Lingala, parce que c'est l'éveil de la conscience. N'allez pas vous décourager si l'émission commence aussi à parler le Lingala, parce que je ne suis même pas encore entrée dans le vif du sujet. Là, je disais que l'importance de te connaître toi-même, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont croyants, pour ceux-là qui lisent la Bible, je vous invite maintenant. C'est très important parce que cette émission éveille la conscience. C'est pas une émission où on fait des débats où on crie. Non, on va tout doucement, tout doucement. Ézéchiel nous dit quelque chose de très 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 important. Et c'est très important pour toi aussi de comprendre qu'il est à ton avantage dès maintenant de comprendre l'histoire de ta tribu. Connais-toi toi-même. Connaissance plus ou moins claire de notre existence. Et connais-toi en tant qu'aussi humain. Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es homme? Et pourquoi je suis femme? Quel est mon rôle? Et pourquoi je suis congolais? Quel est mon rôle? C'est très important. Ézéchiel chapitre 16, il est en train de nous dire quelque chose de très important que j'ai lu. C'est là, on peut aussi lire même le livre de le Coran. Nous pouvons aussi lire même la Torah. Nous pouvons lire le Coran, nous pouvons lire certains livres de penseurs, des historiens. Il y a toujours de certains de ces pensées. Que les hommes, les penseurs de ce monde, ont quand même dit des choses qui, vous voyez quand même que non, ils sont en train de soupirer aussi après même leur origine, après même leur identité. Ézéchiel chapitre 16 nous dit: Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. D'abord, avant de faire connaître l'abomination, je m'arrête simplement au verset 3. Tu diras ainsi, parle le Seigneur à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Éthienne. Congolais, connais-toi toi-même. Pourquoi tu es congolais? Pourquoi tu es congolaise? Pourquoi tu es de telle tribu? Et qu'est-ce que ça veut dire cette tribu? Si tes parents ne t'ont jamais parlé de l'histoire de votre tribu, faites un effort. Cherchez dans les bibliothèques. Allez-y même, voyagez dans le monde de l'Internet. Google est là pour vous orienter à des petites découvertes qui vous amèneront encore un peu plus loin avec des références de librairies et tout ça, là où vous pouvez encore puiser encore beaucoup d'autres informations. Mais en tout cas, moi qui vous parle, lorsque j'ai compris qui je suis, lorsque j'ai compris l'histoire même de ma tribu ou de mes tribus, parce que je suis une mélange, eh bien, je me suis découverte. Et c'est à partir de là, j'arrive même à enlever certaines des choses que je trouve que c'était pas bon. Que je rejette. Donc, c'est très important. Par ton origine, tu es du pays de Canaan. Ton père était Amoréen et ta mère une Héthienne. La maman et le papa, deux mondes différents. En fait, un Amoréen et une Héthienne, si on le mentionne, c'est qu'il y a quand même une petite différence. Il y a des enfants qui sont nés papa Mukongo, maman Muluba. Eh bien, connaissez leurs histoires. Il faut connaître. C'est très important. Voilà, éveil de la conscience a toujours prôné la prise de conscience pour se connaître, se comprendre. Le monde extérieur, il faut aussi comprendre le monde que vous vivez. Vous allez voir que nous sommes là pour lever de la conscience. Dans notre site, il est mentionné l'histoire de la vie de Durène. Lorsque vous lisez même cette histoire, moi, le jour que j'ai compris l'histoire de cette ville, j'ai alors compris même la manière de vivre de ces gens. D'où ils sont venus, comment ils ont pu même construire leur ville. Vous allez voir des comportements des citoyens matures, responsables, parce qu'ils proviennent d'un temps de déchirure. Et ils ont décidé de reconstruire leur ville par le fruit de la prise de conscience.
C'est mentionné dans le devoir de mémoire. Nous l'avons archivé sur notre site amafricaworld.com. C'est là où il y a plusieurs de documents. Et c'est la consonne de la prise de conscience. Lisez, puisez, réfléchissez. Et prenez conscience. Voilà. Donc, le monde extérieur comprenait aussi l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Occident, l'histoire du pays que tu te trouves. C'est très important. Si vous vivez dans un pays que vous ne connaissez pas leurs mœurs, vous ne connaissez pas leur histoire, leur comportement, leur culture, leur loisir, vous êtes alors un non-intégré. Et parfois, vous allez devenir peut-être une occasion de chute pour eux. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, je te dis, prends l'effort de comprendre l'histoire même de ce pays que tu vis. Tu vas voir, tu aurais maintenant une autre manière de voir les choses. Et à plus forte raison de connaître aussi l'existence ou l'histoire de ton pays, la République démocratique du Congo. C'est très important. C'est ça qui résume l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience touche aussi la vie sociale. L'éveil de la conscience touche aussi le problème de la spiritualité. Voilà pourquoi nous avons aussi besoin de les inviter aussi sur notre plateau. En attendant de demander un peu une pause de 2 minutes où le régie va quand même nous aider pour nous apporter quelque chose, je tiens quand même à recevoir quand même notre invité du jour qui devrait quand même nous parler un tout petit peu de son livre « La philosophie chrétienne, le retour de l'éveil de la conscience ». Voilà, je vais quand même saluer notre invité du jour, monsieur Léon Kabasele. Est-ce que vous m'écoutez? Monsieur Léon Kabasele, vous m'écoutez? Ah oui, je t'écoute très bien, maman Frisa. Que Dieu vous bénisse. Hein? Merci. J'ai plein aussi de missions pour annoncer l'éveil de conscience dans une autre émission, pour aussi mentionner aux gens que nous sommes ici à notre site pour parler la conscience des peuples africains, surtout les mamans d'abord. Et bon, il y aura beaucoup de gens qui vont nous suivre dans ce temps ici pour écouter comment est-ce que on peut améliorer des choses, quoi, des choses africaines, et surtout que non, les droits des mamans, surtout nous les Africains, nous avons une autre coutume là, et les coutumes, surtout à côté des coutumes qui nous tuent. C'est pour cela que non, je vous salue d'abord. Je vous salue. Merci quand même d'accepter l'invitation. Je sais que vous venez aussi d'une autre émission, voilà. Oui. Pour annoncer aussi l'émission de l'éveil de conscience, avec aussi de parler aussi les missionnaires en Afrique. Surtout les gens ne les parlent pas. Tout le monde en Afrique sont toujours connectés avec les politiques, les business des politiques. Maintenant, les missionnaires qui ont découvert l'Afrique et qui ont travaillé beaucoup, alors leur bilan, on ne parle jamais, on ne connaît rien, on ne sait pas là où ils sont partis, qu'est-ce qu'ils font maintenant. Tu vois, même comme nous au Congo, on voyait des serres là-bas, mais ici, il n'y a pas de serres. En Europe, j'ai grandi ici, je pars partout, je marche partout en Angleterre. Et je m'excuse avec mon français, c'est mélangé avec l'anglais là. Bon, je n'ai pas vu des serres comme on les appelait au Congo là-bas, les serres, comme les serres en noirité, les gens de comme ça. Ici, en Europe, on marche, on les voit pas. Maintenant, ils sont partis où? Personne ne les demande, personne ne les parle. Souvent, on voit aussi les antennes paraboliques. En Afrique, là, quand on demande aux prêtres à l'internat, oh, prêtre, qu'est-ce que l'antenne là? L'antenne là que je vois là-bas, l'antenne là, non? Le truc là, non? Les prêtres vont
va répondre que non, c'est pour calmer quoi. Calmer quoi. And les tornados, les tornados, c'est les éclairs comme des caquelas. Non, and c'était and les antennes là, c'était pour leur communication quoi. Parce que on nous a beaucoup montré des petites choses, mais on nous a pas beaucoup parlé pour comme on parle ici la conscience. Nous n'avons pas eu la conscience. C'est le temps maintenant de nous réveiller, d'avoir des consciences. Quelle est leur mission? C'est pour bâtir des petites écoles, c'est pour faire cela, cela. On nous a rien laissé. Leur bilan. Ils n'ont rien dit. C'est pour cela. Il y a d'autres théologiens ici, les théologiens. Souvent, que je vais aussi les dire de venir aussi parler dans l'émission. Ce sont des Nigériens qui sont en train maintenant d'écrire des livres, de faire des choses. Ils ont appelé Mission Reverse. Les missions reverse, les missionnaires sont venus, ont venu là-bas, étaient venus en Afrique. Maintenant, c'est notre temps maintenant de faire mission reverse. De l'air colonisé, de l'air dit, de l'air rappelé que non. On n'a rien prouvé. C'est que vous avez venu faire en Afrique. L'autre jour, j'avais eu le débat avec un professeur de théologie dans une université. C'est un anglais. Bon, je lui ai dit que non. Non, moi, je ne crois pas que non, les missionnaires étaient venus en Afrique pour aider les gens. Maintenant, au milieu des débats là, il y avait des points qui étaient soulevés, que non, ils étaient venus faire le commerce des hommes, le commerce je ne suis pas un racisme, mais je parle ce qui est juste. Ils ont les blancs étaient venus en Afrique pour faire des commerces humains. Ils appelaient les Anglais ici, les appelaient que non, un black trade, c'est le commerce des noirs. Maintenant, les missionnaires là. Oui, excusez-moi, Monsieur Léon Kabasele, c'est très 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 important ce que vous apportez aujourd'hui là. En fait. Comme c'est un sujet très important, donc j'aimerais quand même que ça soit un jour vraiment assez spécial où vous-même vous allez vraiment être sur le plateau et bien expliquer la situation là, parce que sinon ça risque d'être un peu long parce que l'histoire là, oui. Moi je voulais simplement essayer quand même de parce qu'on allait demander quand même une toute petite pause de 2 minutes, mais bon là oui, on allait juste essayer quand même que vous me parlez un peu, parce que là vous m'avez parlé sur le ministère de la femme. Bon, là c'est vraiment pas le sujet de choses, parce que aujourd'hui c'est le retour de l'émission. Alors comme c'est le retour de l'émission Éveil de la conscience, parce qu'on avait stoppé ça, j'ai essayé quand même d'expliquer au juste le but de la conscience selon même sa définition. Et évidemment, votre présence aussi, vous allez nous parler un tout petit peu aussi de votre livre sur la philosophie chrétienne. Qu'est-ce que vous attendez par là? Donc, nous aussi, au sein de Amafrica, on aimerait bien comprendre cela. Dans le cadre toujours de la prise de conscience, on voudrait aussi quand même savoir un peu de ces côtés-là. Alors, là, je vous prierai quand même de patienter, parce que là, nous allons demander une pause de 2 minutes, parce que quand on va revenir, je signale aussi à nos auditeurs, c'est que aujourd'hui, c'est vraiment, vous suivez l'émission en direct, donc tout ce qu'on montre, les photos, c'est nous, dès qu'on enlève les photos, on met la vidéo, vous nous regardez aussi, donc c'est un peu active là aujourd'hui, donc ne vous en faites pas si jamais il y a la vidéo, si jamais il y a les clips que vous voyez, eh bien, parce que c'est une radio télévisée, donc c'est ça, donc prochainement, on va encore bien plus improviser et pour vous plaire, pour que vous voyez quand même les
les gens qui font l'émission. Donc, émission appelle la conscience et Zongi Bandeko, ma maman, ma papa, na biso ba congolais, Tokoya, Kozonga, la deuxième partie, na biso pona koloba, sur les Kambonga, na loba, qui faut calcul. Oui, maman fait avocat, qui faut calcul, parce que il fallait n'expliquer ce quoi faut calcul. Et, l'air tozo, baza, ko tiens la biso, musique, na biso, boye, ba ketan, toko zonga, na ko expliquer, bino, de pourquoi nga na loba, qui faut calcul. Et après, na pessine de konabiso biso parole, a me kako limbo la biso sur, sans si a livre na ye, o ya memi, pour que vraiment vendredi, a koya ko limbo la mousse makasi, lorsque basi ba koya ko loba. Makambo etali makambo ya basi bakoya ko ganga bakoya ko loba bakoya ko sanza bakoya ko conseiller bakoya ko tirer l'attention bakoya ko lancer l'appel vendredi 8 mars 2013 en direct de notre espace radio TV Am Africa World nasengi musique d'arji a koki ko pesa biso déjà musique to sengi vraiment musique sokaza koyo kabiso Toza kotinda musique, tozo senga pause, pause de 2 minutes. Bobangate, tozo songe la bino. Faux calcul, faux calcul. Faux calcul. Régie, musique, musique. Merci, Nicolas Nangomba. Le sambo des hauteurs. Samba Pambo, la Normonde. Le sambo rendez-vous à Balonki. Le sambo rendez-vous à Motonan Sambé. Alléluia. Les coco banga banga te. Ouyo asala elaka. Ako sakate. Aumela ye abongwana kate. Bibilia et alisibiso. Sa renommée, c'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Qui passe les qui et si pas kata et moniceli dengue comme la qui va y colline c'est la et maïus mais si tu crois tu verras la gloire des yeux et si seulement et comme maman ta colombo la cateo zambé ou yo sala et la ca zambé ou yo apesa et la ca Likambonangai na yeba esika ya zalie Likambonangai na koma pembeni na yo Oh Yesu na muna elongi na yo Yeyano nangai kuna nangomba lo sambo Yeyano nangai kuna nangomba kukila Nikolo ya nangomba Oh Yesu mokiti saka À cet appel à la montagne, Seigneur. Mbombane arena yo Yahweh. Le sambo de adresse au Christel na yo Kolo. Le sambo de fils de l'atterrissage na yo Zabé. Alléluia. L'Ivalo Mbombane. Oh, l'Ivalo Mbombane. Oh, Jésus-Christ qui est Dieu a eu le courage d'affronter la mort. Isalaki. Oh, les locaux binani, basali peba nanzabe. Nous sommes pouetés, mon salé salama. Oh, qui s'y a baïen, qui est béni.
solo kaya basantu de lo sambo ezala ka ikoloya kaya ngomba ta ikoloya ngomba solo yesu yo kitisaka kitisaka moto makasi ngomba yo ziki sa yesu melo Bayebi sekele ikoloya ngomba oh amahame kutu ye papa ya kondima abenga nzambe jo bajire ikoloya ngomba hewe yo moni sangu ya makasi kuna na ngomba Carmel okwe isaba profeta bala ikoloya aleluya oh Moïse Aaron a yure bilombe na kondima balonga libota hamale ikoloya Nous sommes de retour sur notre plateau de l'émission de ce soir, Éveil de la conscience, Éveil de la conscience. Et voilà, ça c'est maintenant 20 minutes, il nous reste pour la fin de notre émission parce que ça ne va pas être trop long. Aujourd'hui, évidemment, c'est juste l'introduction, le lancement des... Voilà.
Oh, nous sommes revenus. Allô, 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 allô. Est-ce que vous m'attendez? Ah oui. Voilà, voilà. Maintenant, le calme est revenu. Nous sommes de retour encore. Donc là, il y avait la musique. Nous sommes de retour. Tozongi, Tozongi, émission avec la conscience. Émission pour le Congolais, le Congolais, le Congolais. Oui, c'est entre nous, c'est notre communauté. Évidemment, nous avons besoin de la paix, de vraiment Kimia, Kimia, Kimia ya solo, hein. Kimia oyote bakosa rabiso et pa ya ba tumususu quoi. Oh Kimia, Kimia. Mais Kimia wana ebotielo ko mususu. Tolingi Kimia, Kimia, Kimia na kati na biso. Kimia, Kimia. Oyo vraiment nzambe apesaka Kimia na ye ezali lokola ya mokilité. Kimia parce qu'azali prince ya Kimia. Donc yango tolingi Kimia et à cause de cela nous pouvons quand même aussi mettre toujours l'accent sur la prise de conscience. Oui, là vraiment nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet pendant 20 minutes d'affilée que nous allons faire maintenant notre émission que nous avons lancée là. Faux calcul, faux calcul, faux calcul. Oui, maman Fez avait dit faux calcul. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire par faux calcul? Je n'ai pas oublié non plus mon invité sur le plateau, évangéliste Léon. Il est dans le Christian Counseling Talk, donc il est en train de faire aussi des conseils, il est en train de donner des conseils et tout ça, des enseignements. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui pour Nakobe Ngaye, c'était juste aussi l'explication un peu sur son livre, la philosophie chrétienne, qu'est-ce qu'il a vraiment voulu nous apporter comme connaissance de plus. Et pourquoi pas aussi parler un tout petit peu peut-être aussi de Michel la femme. Vous voyez son accent avec l'accent anglais, ça se comprend. Il est en Angleterre. Donc voilà, ça c'est le monde de la magie de l'Internet qui réunit quand même du monde un peu de loin, par-ci, par-là. Tozongi, l'émission, vous nous excusez parce que Tokoloba peut-être aussi, on va parler aussi en Lingala parce que c'était aussi vraiment une émission spécialement aussi pour les Congolais. Donc, Bandeko, Tozongi, Nakata Plateau, la vie, émission avec la conscience. Les alliés, émission, yo, Bruno Moko, Boyebi, Yango, Archive, Zali, Soki Bobete, na YouTube, Bokomi, Éveil Patriotique, Bokomo, Natang, Mama, Zalaki, Koganga, Makasi, Penza, Wana, Zalaki, Natang, Oyo, Tozalaki, vraiment, Nakata, Yaba, émotion, Yaba, réalité des événements. Mais maintenant, to colli na maturité, to comprendre ma kambebele, to zongi sko na kati, ya maîtrise ya ma kambebele. C'est vrai, il nous arrive aussi de fois, ya ko koma ma kambo na ba, réseau social na biso ko koma, tout ce que nous pouvons parler par moment. Mais en tout cas, on va quand même doser, hein, on va commencer à doser un peu dans nos réseaux sociaux. Pourquoi? Vous allez voir quand même que Mama Feza va commencer petit à petit à s'éloigner du Facebook. Ce n'est pas dit que je ne suis pas là. Je recevais toujours vos messages que vous m'écrivez souvent inbox. Je vous répondrai quand j'ai le temps. Mais comme nous avons déjà un outil comme la radio, donc il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de disponibilité pour travailler notre équipe des animateurs et des animatrices et aussi, pourquoi pas aussi essayer d'améliorer certaines choses aussi dans notre équipe. Et donc, c'est ça qui va faire en sorte que nous devenons de plus en plus un peu rares, comme quelqu'un m'avait écrit. Ah, je le salue aussi, Ndekomobali, Okomeli, Mama, tout le monde nous a commis silencieuse, Mikoloyo. C'est normal, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent que par moment, tout petit qui peut moi silence, Mouké. Le silence aussi est un langage, le silence aussi est un message. Sokoye Bakate, oui, et monsieur V à conscience. Ah, Wande Tolimbolaka. Makambola bozindo. Donc, même Kimia, les alli message. Ce qui vous t'accanissera que silence, les a message te, c'est que, à yébiter, que derrière le silence, peut aussi communiquer quelque chose. Et souvent, bah, certains silences aussi, quand lorsqu'on a tout dit, on a beaucoup dit, on n'a plus besoin de redire les choses, et alors, on préfère garder le silence. Et que le silence parle par soi-même. Éveil de la conscience aux zombies, faux calcul. Loko les alliés et monsieur et zongi si biso lissou sou na kati ako limbo lave la conscience. Bandeko, to lobike, to outa ki na ba difficulté ya makambo bele na kati amboka na biso o to bengi diaspora. O yo zali loko la to lobaka na lingala engunduka ya batu, ba tika mboka na bango, ba yo fana na mboka ba paya. Mutu na mutu atika pe mboka na ye, na ba rezon ebele. Oya atika po ayeko tanga. Oya atika po, azaki na ba probleme politik na mboka.
ayeko boka ngunda awa ayeko ayeko luke sika kufana refuge oya tika mboka na ye pona koya kozwa libala hein mobali abengisa ye ndenge tokoma koyoka basi o babengisa kakaka oyo babengisa kaka mabali kufa kakaka mokolo na bino zali tokofanda na bino na ebe ya conscience potolo baba mama bozwa pe conscience ndeko mobali ndeko noa mobali azongi kishasa lingiyo penza azui yo alobi mwasa futi nyoso famina yo senga kipenza ah mama koyaka koye poto obomi libalango donc pona nini boye tokofanda na pe mokolo mosusu eveille de la conscience ali pona kolakisa yo ke bazwa kalibala te pona intérêt soko zuyango pona intérêt mokolo ezali okofuta parce que okozo kisa motema ya moto okozo kisa motema ya moto okozo kisa pe motema ya nzambe parce que nzambe asali moto ne lili ngina ye moto yo za nzambe te omani lokola boye bakapete existence na bino oyebite koza même petit dieu ndengo za wana yo zo yo kangai yo soko za mama oyebite kozali nzambe ya mwasi parce que dans l'homme l'homme était complet, hein? Gana za motei. Tolobi, l'homme était complet. Tous ces deux côtés étaient là. Tant bangi ba sala mwasi ba lalisie mama na pongi, ba bimisi kote, ba formé mwasi na ye. Donc c'est-à-dire mwasa outine ka na kati ya mobali kaka. A outine ya yerte. Alors nzambe lobi, to sala moto, na ndenge ne lilingi na ye. Na ye nzambe. Pena boko ki sani na ye et à sa ressemblance. Donc, tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, tu es un Dieu. Oyebite ke maloba na yo. Yango maloba ke, na maloba, toko ki ko maudir, na maloba, toko ki peko bénir. Toko ki ko bénir. Balobi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Même ko saka mutazoloba ezaki bonzambe nyoso wana. Yango wana nzambe na bolingo pe na mawana ye alinga ke batu balobaka mabe mingi te. Po ekoki ko toucher ekela muna ye mususu. Po alinga ka bosa boza na nde bolingana. Po mabe ezali mabe. Na sengi na ndeko azo sala makele la kanga micro s'il vous plaît parce que tolingi ba enregistrement vaut mieux à la carréci enregistrement bele zo bima bason ba nini zo sala biso souci mingi soki ozina ni parole te vraiment pour kanga kaka micro ba bruit akuna e kotate na kati ya studio merci ndeko mama ndeko papa faux calcul tolobi ozape bonzambe oyebi na yo pété moto mwasi obima pe na kati ya mobali donc bozala bino loko moko donc mwasi azali femelle ya mobali mobali azali nzambe mais oui oko kama lo bien mais azolo ba mutasanza azali nzambe parce que même na kati ya oyo buku ya bible balobi adam or adam bakanisa za kombo moko spécial non adam veut dire premier homme alors que lokola ya yeshua ki deuxième adam ayaki. Donc il faut qu'on saute. C'est-à-dire na yo ko sauté pamba existence na yo moko na nous comprendre té ce qui na même mieux sous na dimension sous kuna okoka okopé so mutu passi. Mais na ivé ya conscience c'est ça. To saki ko kota na bozindo ya l'état. To saki ko zala na kati ya ko limbo la l'état na kati nango bongo l'air to kufungola et fungoli yo yo moko kei ko décider ko té ko sala l'état. Oyo conscience et kosi kati na yo. Mutu moko ndeko ya mobali alobela kanga lobi mama yo kanisi conscience et se communicaka. Yo kanisi vraiment ba congolais ba ko changer. Non, na yete po yipo ba congolais ba changer. Na yete po na transmettre conscience. Na yende na yebisa yo zwa conscience. Ezali na avantage na yo. Mi yeba pe mondo yo fandi. Mi yeba pe makambisa kuleka. Yeba. Ye il y a ko yeba pe ko yeba. Parce que ça n'a pas ba yebi mais ba yebi na denga lokuta. Yango elikambo ba yeba na denga lokuta et que ndakape na denga lokuta. Mais on est na denga solo. Wana ndesika balobaka ke vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ceux qui oyeba ki vraiment vérité vous causez la franchi. Mais ceux qui oyeba ki lokuta vous causez la franchite
Yo luka komo ya le contraire ya affranchissement. Mais c'est l'esclavagisme, c'est l'esclavage. Donc, vous connaîtrez les mensonges et les mensonges vous rendra esclave, vous liera. Donc, toujours le contraire, quand c'est négatif, parlez le contraire de positif. Vous allez voir facilement dans Makambezala. Toloba, par exemple, Bélé, et monsieur Zalaka Kole Kanaba Radio et Bélé à Diaspora, to banda qui expliquer yango, yango zongi kaka. Parce que zana ba sujet, il faut ce cela. Toko kota nango mercredi ekoya na koya penza sikolo na kati sikolo vraiment ya oyo babengaka na manto na ngai wana oyo na lataka wana ya kupesa sikolo conscience mais na lelo faux calcul pourquoi parce que to lingi koloba kom boye ez oyo bi mutu ezana bato basala ka ba faux pe calcul hein. Mutu soka zana besoin à atteindre 100 chiffres. Mais dès l'instant, c'est là qu'il faut calculer. À Kamati, combien peut-on remplacer ou bien à la place de 30 pour épais à 100? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a évité à Koko Bambamba Mokalobi 80? Est-ce qu'on peut ça 100? Non, à ça, il faut calculer. L'autre peut aussi dire bah, Koko Lobela est bon. Oligui, on atteindre un objectif quelconque. Et dans cet objectif, et bandi koye bisayo, olingi ndenge naza boye, naza na besoin na luka musala. Na lingi na salaka, bongo na zwa mbongo, soki na zwi mbongo, na bombi mbongo wana, bongo na somba lopango. Donc tu as un bon projet. Mais arrivé un moment pour réaliser ce projet, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, bon. Le coup de la besoin de bon, on a l'ingi na sala, mais on l'a dit, mais on a l'ingi pendant la zoa pour la somme de pain. Ah, on a qu'au bête à Chekula. Na sala Chekula, vous connaissez Chekula, le Congolais, nous m'envoyons, et puis t'as la caca, baye bate. Mais la condamnée, on l'a dit, la vangote. Ba beta Chekula parce qu'il a zwa mbongo ayibi batu na ba banki na bango et après allez ayé abi voilà mbongo na luka ki yango c'est qu'on a son somba le pas faux calcul tout simplement parce que et le kolinga ki o atteindre calcul o yo sali ezali ya faux ya bien té il faut o utiliser des moyens logique, juste pour atteindre vraiment ce résultat-là. Autrement, ça serait l'argent sale, l'argent mal acquis. Et résultat, bah, quoi qu'il y ait un jour. Résultat, on se retrouvait dans le pays, on s'en mis le pang, mais bah, il faut se prendre un jour, bah, le pays, monsieur, nous sommes désolés. Ndaku oyo, ezala mokolo nango, o leli mbongo na yo. Au salaki faux calcul parce que source il y a démarche au salaki au bête calcul ma bé faux calcul de korangaï congolais congolaise soko ligue atteindre l'objectif mon ko nazo le belabinote objectif ce qui a mandenge à ya ma bé mais au lingi au atteindre l'objectif mon ko ndenge congolais azo le la na poto alobi to lingi changement na congo mais calcul ni bino bo saliko. Tout ce que la peintre nous sommes. Nous avons le barabin. À table, nous avons dit kaka. Nous avons zongit. Oh maman fait la zongit. Émission est éveillée à conscience. A zongit sous sous. Elle va encore parler. Mais oui. Parce que nous avons fait la zongit. 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 Ah, moi qui n'ai pas la mauvaise humeur. Mais en tout cas, normalement, il faut te faire un faux calcul. Il y a un changement dans le Congo. Ce que pour atteindre ces changements, il y a une bonne idée. Dans les années, il faut que tu aies un bon il faut que tu aies un bon travail. Ce qui est un bon travail, tu aies une position. Il y a un bon travail. Après, il y a un bon travail. Tu aies un bon travail. Et après, tu aies un bon travail. Tu aies un bon travail. Tu aies un bon travail. Faux calcul.
calcul. Parce que moto a ça la calcul na yema ya ma pensée. Na zo ba calcul yo te yo to so ça la chiffre pour to atteindre mbongo beauté. Na zo ba calcul o ya ba pensée pe. Eza na moto a za na besoin ça la ba projet na ye. Et na ba projet na ye a ti a ki ba disposition malam au départ. Mais tout d'un coup a ba loko sa ba disposition a ma be. Calcule na yo de mozo calculer na moto hein, tu calcules dans ta tête, tu calcules. Comment je vais faire pour atteindre tel objectif? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Bon, je crois que je vais aller à gauche. Après, je vais aller à droite. Après, si je ne vais pas, si ça ne va pas, je vais au centre. Si je ne vais pas au centre, faux calcul. Fais attention. Oh, écoute, on a contre mieux. Congolais, congolaise. Faux calcul. Boboï bande konabino. Bolobi bande konabiso baza malamute. Bolobi misusu. Bazali soki ba soki ba ngo banani soki banani sikoyo mboka na biso eza na besoin na yo na ngai mboka na biso eza na besoin tolobaki l'autre jour na émission tolobi Congo si on peut le représenter comme une mère elle se retrouvera en face de ses enfants ses fils et filles qui sont en train de se chamailler. Pas toi, toi, pas toi, pas tout toi, tout ta, tout ta, tout ta. Bon. Alors, la maison brûle. Comme la maison brûle, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait qu'on s'entretue entre nous. Non? Essayons de chercher les extincteurs, éteindre le feu, commencer à passer, de trouver un peu de calme, l'équilibre dans la maison. Oublions un peu nos différends. Et une fois que la maison est retrouvée, maintenant on peut se voir clair. Toi, tu avais fait ça. Toi, pendant qu'on te demandait, donne-nous de l'eau. Toi, tu as pris, tu es parti te passer ton temps en train de boire de l'alcool et tout ça là. Vraiment, toi, parce que tu as fait ça là, ceci, cela. Mais qu'est-ce que nous voyons dans notre communauté? Qu'est-ce que nous voyons dans des familles? Qu'est-ce que nous voyons dans la vie de tous les jours? Tu fais des calculs, mais des calculs, ça doit être des calculs positifs. Pour atteindre un résultat positif. Mais s'il y a des calculs négatifs, ne t'étonne pas qu'il y ait aussi des résultats négatifs. Na mona na ngai te mboka oyo baza na ba problème na mboka na bango peuple oyo ba yoka na kanamu te na vie na bango déjà au départ et tango ba passe koti bango na bango olipe ba bomba kango ba lobi te affaire oyo buso ba na biso il faut monde entier ba vivre biso ba monde entier ba yebi passe ya Congo ba yebi complot bazo sala na ba mboka na biso kuna na est ba yebi na bango makambuzole mais bazo ta la réaction ya bana wana ya wana lobby Congo la RDC est comme une mère il ne va pas ses fils et filles yo mama congolaise zo ka émission lelo faux calcul au quoi atteindre faux résultat lelo zambe na maoni alinga e de yo ke calcul au calcul la kawana hein des calculs tu fais des calculs dans tes pensées là. Que osons à la calculer bien, tu auras un bon résultat. Dès que moi si osana ba penser, osana ba idée, osana les locaux lui atteindre objectif. Mais au bandit qu'on sala sikoyo, ba maloba ma be, ba lokuta, ba nini, ba kanda, ba jalousie, ba rivalité, faux calcul. Parce que résultat on va atteindre ya bien pété. Faux calcul et ça dit que loco les a retour. Mais tant que yango est kataki, et ça la kini. Retour, ça signifie que et il s'est passé quelque chose pour qu'on arrête. Et alors on est revenu. Nous on est revenu pourquoi? Nassine a expliqué, puis nous on revient parce que peut-être on a peut-être vu qu'on n'avait pas bien saisi la chose. On revient peut-être parce que on a vu que non, le besoin est toujours là. On revient peut-être parce que ça n'avait pas fini. On revient parce que saisit cette fois-ci l'occasion. Faux calcul na kati o etali communauté na biso la diaspora congolaise. Oyo na linga kabino mingi. Tutu la bofinga kangale boseka. Na seka kate me na yo kaka mawa. Na lobi nzambe. Soki congolais. Oyo na yele ki bango prise de conscience. Azo finga ndekone mwasi wana. Hey!
mon paya au salani. Bon, si bon problème, oyo to zanango, et si li pétain, alors, yo zo lo bolingi changement na mboka. Ba calcul ozo beta na moutou po changement à terme, ozo salandengeni. Na po boyaka batou nyon sotou, na po se kataka na group moko boye. Deux, les appendengi moko même na ba kondi. Pour éveiller à conseil Zagi Kosimba, tout le bon, tout le bon. Bakondi Nabiso, première baba émission précédente, Zalaki, chanson générique. Tozaki Kobe Tanzembo Yandeko, Boketu premier. Bino ba politicien boyo kapasi Nabiso. Otumoli pepe congolais au Luki Kolo Nzambe, Bawa. Otumoli moi Afrika au Luki Kolo Nzambe. Ça, cette chanson, c'était dans le temps là. Parce que Tozaki n'a pas émotion. Et comment qu'il faut tout le bien là-bas? On y a ba la mouka. On dirait pas ça sur la tête. Mais si quoi est le col, si quoi est pour atteindre un peu, pour comprendre si quoi ma camion so, zembo ne kobeta soute. Si quoi bokoyo kaka kaba zembo yo, oyo bisu moko to kumoya na mou. Parce que ma camion kende na changement. Pour changement ko ya, boye bit. Maman fait za lobaki. Après mon pepe a ki bouisa, changement radical ko ya. Bon, quand on vient, soit qui malobawana, et tali binoteza secret nanga kasi. Mais seulement pour na kolobake, changement wana yo lingi na ndaku na yo, changement na yo lingi na bafer na yo, changement wana lingi na communauté na yo, changement wana yo lingi na Congo. Calcule ozo beta na mutu na yo pour atteindre ce changement là, osani. Bofandi bolobi bon. Bo bandi ko funda bato. Ba accusation fausse. O leza fondé teza na preuve te. Non vérifié. Et les autres n'ont pas besoin de vérifier. Bo bandi mbala moko pou. Eh, eza bongo. Aha. Et résultat? Faux calcul. Yango la pe salipe. Faux résultat. Yango, il est très important dans la vie d'une personne de fois de se mettre aussi en question. De se poser la question de se faire un bilan sur sa vie. Autant de lobby, bon. Nenin makamu se banda aboya boutsa. Qu'est-ce qui se passe? Et non koni, na yoki bande comme sous, poto landa rape bande comme sous, ndenge bazo lo balaba, réseaux sociaux, tels que par exemple le Facebook. Toyoka ka bande ko. Naba YouTube, naba nini, déjà. Bam sous somo na bazo lo ba, te vraiment te reconnaître, te échouer na makambwe bele. Ah ah! Alors, cette émission vient de la conscience, vient te dire, le ko lo comprenne ke bo échoué, et vient la conscience, c'est le but, mais, kasi sa la pe calcul, zomé la souba calcul, bo échoué na ndengeni. Comment est sali ke, et lo ko to linda ki to sala, to atteindre, et bimi na échec. Et banda qui ne peut pas comme un échec. C'est ça qu'on appelle la réflexion. Un temps de réflexion, on vit sur ton Afrika. Hein? Quand on dit réseau de réflexion. Donc ça dit, tu solo là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, bah réflexion, méditation, réflexion, analyse, recherche, tout ça. Et après, tu es là. C'est très important. Beaucoup longa. Et le kobozo luka nandenge ya malam. Faux calcul lorsque peba oyo bazana mboka kuna. Bazo kanisa ke bon, ndenge za boto sala boto beta boto sala boto. Ba calcul wana nzamba sana bino vraiment boza sur. Bon ke bala ba calcul bozo beta na mitu calcul. Ba calcul tu vous calculez trop. Mais le longa na lobi na retour émission oyo. Toya ki na éveil pour que to sosola di kambizo uta wapi. So ki e wouti na A, il faut to comprendre ango teke di kambe wouti na C. E so ki e wouti na C, yo li yika ka eke, e ufo e wouta na A. Abe, continue beta ba kalikitu kango go sa la faux résultat, kole late. Comprenez simplement, kalikitu lino beta ki. Soit pour apprécier à ma calcul, bang, n'engue ou ya sali balobi, topé sur 30, bêta ou ka sala calcul mental. Oh, voilà, ça j'adore. Calcul mental. Allez,
30. Combien on va avoir pour atteindre 100? 80. Faux. Yo, dernier yo quand c'est maman 80. Donc la mutu na yo c'est parce que oyebika que chiffre 80 et ça la que muta comme na 100. Alors méthode wana de penser, cette manière de penser que il faut toujours tout ça la kaka modèle oyo. Modèle oyo kaka oyo. Yango na modèle wana kaka. Parfois aussi certaines circonstances ça permet pour ce modèle là. Et après ça échoue. Bon kané li mutu. Bon sali boye, bon lobi boye, bon kei boye, bon yini bande kona bi belé, bon sali boye. Et plus tard na komo na batu ba komo zongela bon nzambe. Ba komi to komi ko sambela. Misusu balobi te to sambela, nzambe saka ka nzambe. Na soka batu misusu bo na lobi nzambe. Alobana di lobana ye. C'est lui qui cache transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Yo avoué te, o tikite. Ozo kende pa nzambo zwa nini miséricorde. Eza na mutuna yo, e fandi. Bo oza na bande ko bozo linga nzambe, kongolea lingi nzambe. Yeba ke soko posala batuma be, ifo ko senga bo limbi si. Le pardon est une puissance qui libère. Tango mousousu nzambe linga sale loka malabu na vina yo, mais tu te bloques. Parce que lo lende la ti yo, yo moko yebi, hein? L'orgueil précède la ruine. Papa nangai kabase le léon. Na zonge liyo li susu. Faux calcul, papa na yebite. Soki yo kope sa bakongole nini. Parce que ton nga kika ka o limbo la biso. Nini na yo. Nga yi na lo bakika ka ke bakongole. Tango, pouzo si sa conclusion na biso émission. Bakongole, basali, ba faux calcul na makabwebele. Ba luka ba bandila ba calcul. Bako zwango. Et prochainement, le mercredi prochain, l'éveil de la conscience. Toujours, toujours, avec un autre sujet. Oh, yoko, quand ça vise vraiment la kati, ya, vraiment l'émission la vie sauto de sana d'habitude. Mais c'est le yon kabasele na mboka Londres, kuna papa. Na lingi quand même o linga ko se présente ta moukye li sou souvent la bosana ki. Et ça très important pour la bonne compréhension ya batu bazola na biso en direct de notre espace en Afrique World. Monsieur Léon Kabasele, une petite présentation de votre part, parce que tout le monde est vraiment, vous savez, madame, na Boka Londres, mais d'où vient Kéti pour aboutir même na kokoma la philosophie chrétienne. Donc, c'est que, yo, outina, extraterrestre, outina, monde moko, oyo, hein, ozo na zo, yo, kasango, na yo, mingi, na babazo, invité au Mikolo, yo, mingi, na baka, Dieu, belé, donc, am Afrika, passe du bénédiction à Koyamba, yo. Présentez-vous un peu. Ah, merci beaucoup, maman. Teza na éveil de conscience. Moni biso toza bano to botami kota bangletero to koleliao. Il faut ba to baloba ba éveil biso ba conscience. Neti ba to neti binoboe. Ozolo ba revenons à notre culture. Ozomona biso to mesana mingi makamu ya mingi ya mindele de kolia bloka mindele bloka ndengwana. Tant que comme moi na comme vous la musa biso boye ça vraiment très bien que Dieu vous bénisse na naza en presque na vina nande na boya ba intermédiaire ya makambo ya ngwa me pousenga na sala ba recherche na le kamuno sur na bobaka ba evidence pays à la ka bon nete makambo nzambe. Na tangi na l'université de Jérusalem, 3 ans gradué na parole de Dieu, étude biblique. Je suis pas revenu na Israël, na tanga na baron Bible te. Nous en avons pas intéressé de la semaine baie ba monde. La semaine là Israël ka ki no na eba le loba nzambe estika makambo ngo masulango e banda. Pe ko que la langue hébreu mondambo ko na participer ba Palestine wana. Pour la souffrance terrestre, pour la recherche. Quoi. Après, on a fait une présentation pour la théologie, les bandes d'Israël, les endroits de la théologie, la carte d'Israël. Tu vas comprendre les bandes d'Israël, tu vas comprendre la carte d'Israël. Et puis, en plus de cela, na Kaltspea wa na Angleterre, iska na Ruta, na Kepe na l'université à Cambridge, c'est la première université en Angleterre.
and kunande sikasuko na wasala specialization na evangelism docteur en evangelism na sije ya wasu mutazu biarobia za docteur en théologie il faut tenir sije ni ya nga sije zali evangelism eza par correspondance te parce que tant que ça a bien été correspondance puis na j'investis msusu ande na wasala théologie simple na wasala dans deux mots. À part ça, na salé ingénieur ordinateur, na tangisipé na premier gradué, deuxième gradué. Bon, là mon habitant, il faut na salé l'autre chose parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Na côté ma formation écrivain, tu sais, na esko kosa la koko ma livre, na nga na zo komango étant que éducation. Parce que le livre va commencer à bandenge et belé. Tu peux écrire, tu peux écrire des livres là avec tes propres pensées. Il y a aussi des livres, on peut les écrire avec les pensées d'éducation pour éduquer les gens. dans les universités, dans des collèges bibliques, université théologie et dans l'école secondaire là où on étudie les religions, la religion tout consort. Bon, avant que ton livre soit confirmé dans des universités ou collèges, il faut qu'on l'envoie dans les systèmes, on appelle ça review, livre review ou bien book review. C'est là où il y a des théologiens qui vont lire tes livres pour confirmer. Moi, j'ai envoyé mes livres pour ne pas confirmer que non, et qu'on a recommandé dans ma université. Il y a un Wallande, un Christian scholar, des rechercheurs. Il y a un Wallande, donc, Naza basé Ndewana. À part ça, pour la paix qu'on encadre paix d'église, na terme, il y a le Balanzam, il y a un Wana. Paix, ils appellent bien pour la cour, parce que nous, les Congolais, tout ça qu'on rejette même Makamwanzambe. Même dans nos politiques, tout rejette même Makamwanzambe. Tout ça, quand Makamwanzambe n'a si mal, nos politiciens, bah, ils ont un peu de temps, bah, maman, bah, on va se mouler, bah, ils ont un peu de politique. Parce que, bah, j'ai le banzambe, bah, si on y s'en a si mal. Yangwana, nana za na pona na laksagino le lobanzambe, le frère à la liboso ya politique. Politique, le frère à la sima. Parce que ce qu'on a dit, les politiciens, les Tanzambe, les Kalana, les politiciens, les Western, les West, Awa, les Europe, les Amériques, les Bandéries, qu'on respectait jusqu'à présent. Ils ont été respectés car l'Église, car ils ont été respectés la loi et les écritures. Ils ont été basés dans le point. Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. Ok, merci pour ma petite présentation. Voilà, donc Wana, vous gardez un peu côté privé peut-être, lobby côté vraiment en carrière nayo. Voilà, donc si quoi on a là qui n'a tout n'a quand même tout n'a parce que bon gars il a là qui n'a besoin qu'on explique qu'un faux calcul yo ils ont ça là ils ont fait ça bah faux résultat il y a beaucoup de singes à la bande qu'on a dit sur bolingo boyo canipé bosso soli macambo nandenge vraiment et singeli pour na pouluka pe kimia na bokili pour tapage comme il m'a cassé et pas il n'a pas congolais bokili baso pe ma soute il y a moana ils ont singe à pe au fond d'un bouquet bosso là papa n'a là qui n'a tout n'a tout n'a moko Oyo et ça là qui a livré nayo sur la philosophie chrétienne. Donc yangonde au salaki étude oyo ya théologie na domaine ya évangélisation c'est ça olobi pour na kosale la biso philo la le livre la philosophie chrétienne. Nga na respectaka beaucoup de gens qui font des livres parce que les gens qui font des livres apparemment c'est très 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 important parce qu'il y a beaucoup d'efforts. J'ai découvert ce monde-là tout simplement parce que même moi-même, je suis en train d'écrire toujours le livre
La souffrance d'un continent, un livre dans lequel je l'avais juste suspendu, mis de côté pour m'occuper d'autres choses. Mais NASA continue toujours pour rédiger un beau contenu, il y a un événement marquant, où ils ont pour inspirer Ngaï, ils ont ça la kino, c'est très intéressant que cet événement, et ils ont la peine à Kati, parce que le livre parle plus sur souffrance de l'Afrique, et ils ont qu'on, vraiment qu'on attirer l'attention, na bateau, sur surtout, bah, conséquence, il y a souffrance, il y a Afrique. C'est-à-dire que, il est vrai que ce bien, on peut arriver par exemple à se faire de guerre lorsqu'on tue, lorsqu'on massacre, lorsqu'on viole. On arrive à vider, par exemple, comme on a eu dans les temps de la traite négrière, hein, par exemple, Nakati à traite négrière, on voit qu'il y a eu quand même des déportés, des peuples déportés vers l'Amérique. Bah, c'est retrouvé comme conséquence, nango, bah, yebi susu, identité na bamote. Voilà. Alors maintenant, le Kola Amafrika et Salaka, le travail de détachement du passé, on arrive maintenant à étudier les conséquences de ce mal, de cette souffrance. Comment peut-on réaliser que c'est vraiment une souffrance? C'est lorsqu'on analyse les conséquences. Si les conséquences sont vraiment très néfastes, on peut arriver à trouver une solution. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque, par exemple, ma livre Nangaï, Nazoko soulevait le point, par exemple, sur la colonisation, par exemple. Oui, Mabeza qui partout, hein, le monde entier a été tombé dans des histoires de guerre. Donc, nous, on a connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On a connu aussi la domination d'une nation vers une, sur une autre nation telle que la France qui a été dominée par l'Allemagne. Et aussi, la France avait aussi dominé un temps dans le temps de Charlemagne et tout ça là. Aussi, l'Allemagne telle que la ville de Durham qu'on a balancée sur des voies de mémoire, vous pouvez les lire. Bon, au moins, on a bino moko ba congolais. Pour moi, Penzape, Balma, hein, bah, ça l'a rappelé moi, yo. Mais puis, si vous composez, que ça l'a travaillé à conscience, même quand c'est Nabino, vous allez voir que, bah, Anewana, Oyo, bah, sujet, ça qui ville, Oyo, ça qui est administré par, bah, français. Bon, comment on a fait ça qui, avant 1940, Oyo, y a, bah, Charles, bah, général de Gaulle. Donc, bah, dans le bas, Kim, bah, moko, Oyo, peut-être, les a, une façon de se venger, Oyo, bah, bah, salaka. Donc, c'est par l'histoire qu'on arrive à comprendre un peu certaines choses. Mais, na, quand il y a livre, wana, Ezali, qu'on a qui ça plus la souffrance d'un continent de par les conséquences de ces souffrances. Et ces conséquences, c'est quoi? Ces conséquences font en sorte que lorsque, par exemple, on déporte le peuple vers une terre lointaine et on leur fait perdre leur identité, alors on réalise, on fait l'analyse dessus pour comprendre comment ressent-on lorsqu'on ne sait pas son identité. Lorsqu'on arrive à faire une analyse sur la personne qui ne connaît pas son identité, il est nulle part. Il est comme un esclave. Et le fait de vivre par le fait de voir autour de soi ceux qui connaissent leur identité, en train de parler de leur origine, en train de parler de leurs ancêtres, en train de bien définir même leur tribu, mais que quelqu'un qui se trouve là, il s'est dit, bof, moi je ne sais pas. Il y a comme un sentiment de révolte. Et alors, il y a comme la personne est comme perdue, ne sait plus, il embrassera la culture des autres. Il sera comme une sorte de robot où l'on communiquera, on inculquera des choses qui n'est pas de lui. Mais comme le sang est toujours le sang parce que le sang parle, quelquefois la personne aura tendance toujours à aller vers le sien. Ça, c'est un travail que Bissoto Kosala Nakati en Afrique, c'est une action où il y a sensibilisation et à ma conférence. On a réalisé comment l'Afrique, par exemple, ils ont souffri rien que par les conséquences d'abord, parce que bon, conséquence il y a colonisation, on les allie marquant, les allie nini, les allie aliénation, parce que tu es sous culture na bisoté, tu perdras qui tout, on les allie presque à histoire na biso. Et le fait maintenant de ne pas connaître son histoire quelque part, et ça la rappelle bien, tes sentiments de révolte. Et les allie peut mal amouter. N'a pas cet exemple, il y a Moutou Oyo, Babomi, Baparan, Naye. L'enfant, ma parent, à Monique et ma parent, bah, Longo et moi, on a tiré l'orphelin. Vous voyez, l'orphelin, peu importe l'affection que ma copine peut s'aider dans le monde, il restera tôt ou tard, il n'a idée qu'à quoi il va ma parent, ma zalité. Donc, quelque part, c'est une souffrance. Une souffrance par laquelle, beaucoup de monde a non, beaucoup de connaître la déchirure, beaucoup terrible, oyo, et beaucoup de conséquences, beaucoup, il y a ma casse au point que beaucoup de se relever. Et c'est là qu'on réalise que c'est vraiment une souffrance qu'on doit changer.
et ça babilo ko zolo malakati et seulement ça épuise l'homme, ça épuise tellement que certaines des choses, pour donner des exemples historiques, alors puiser encore dans les archives historiques pour essayer encore de relater la chose selon vraiment la source et aussi bien aussi définir l'auteur de cette source là, tout cela c'est du travail vraiment na bakolo ba mama tout monde qui est très active na Facebook vraiment na été soit en temps pour avancer na livre na et c'est normal, mais arrivera un temps où on est vraiment tout calme bozo mon sur bu sauter bo bangate c'est peut-être aux ana katia ba aussi sabilo ko na. Voilà pourquoi j'ai du respect na bato comme ka livre mais so komi la philosophie chrétienne, je pense que la philosophie chrétienne est ba chrétien ba aux ana intéressant intérêt ya koyo kayo. Vraiment pour aboutir à ça, et là qu'on y est pour ça qu'il y a l'étude de la philosophie chrétienne. Est-ce qu'il y avait un problème? Est-ce qu'il y avait un trouble? Mon côté, là qu'on y est obligé, il faut qu'on étudie la philosophie chrétienne. Le bel avis sur quelques mots, monsieur Kabasiko, dans Boca London. Merci beaucoup, maman. Très accueillie, vous bénisse, parce que un akuma qui sera un philosophe chrétien, parce que les gens parlent philosophie, ils ont. Bon, le bango, parce que, bazo, quand ils ont mon mot, qu'on a employé, c'est qu'il y a un verbe, c'est. Pourtant, un philosophe, en anglais, une définition, en anglais, on a bien en français, en anglais, ils allaient, how to handle the problem. And, how to handle the problem. Ça veut dire que comment régler les problèmes, comment résoudre certains problèmes. Voilà, il y a une philosophie, définition, philosophie, na mukuse. Et puis, un philosophe, de Renard Descartes, en français, après ça, peut ma définition, ma quelque chose, de moyen, moi, les accords globalisés. Donc, l'on est poussé, n'en a comment, parce que, n'a mon attend la philosophie, n'a sa philosophie, et puis, le sous, et puis, sous, n'a cours et un conseil, un question counseling, conseiller, chrétien, n'attend un peu sa corrigé, n'a qu'à la philosophie. Donc, l'on est poussé, n'a comment livre, oyo, parce que dans la classe, parce que nous avons un doctorat en évangélisme, quoi, sujet dans la Rwanda. Et dans la classe, c'est bon. Tout le monde a partagé ce qu'il y a dans la colonisation de Zalaki. Colonisation de Passagi. Et puis, il peut être nerveux, quoi, Kanda, parce que. Parce que tu développes pas le sujet, le débat est belé dans la classe, dans le docteur, dans le professeur en théologie. Et ça, le professeur va attendre ça, non. À l'école doctorale, à comment professeur en théologie. Et puis ça, un peu moins nerveux, parce que tu es baraté. Place n'a découvert que non, mission à Mindele en Afrique, et ça, c'est pour la Kotonga Béglise, c'est le déroutant qui est le Banzambi. Donc, ils allaient pour la consommer mon tout moindre. Dans un prouve, on a tangé, un livre presque belé, dans KP4, dans la bibliographie et bibliothèque, librairie, pour la recousser, la recherche, pourquoi Mandela est né en Afrique. Et puis, il comme ça, sur les poussins, sur ma casse, il y a moi aussi, il y a ma maman, en Afrique. Donc, avant le Kamwana, on a parlé, c'est ma maman africaine. Et là, qu'on se ventilait, on a fait des recherches. Dans le cadre des recherches, on a découvert le document, monsieur Mindele, le vendeur en haut, le noir, le bâté, et heureusement, il y a tout ça, pour qu'on ait des informations, dans la bibliothèque, dans la cave, dans la cave. On a découvert que non, Mindele, donc, allait qu'on soit, on a découvert que c'est écrit, non, à comment on peut aller faire belle ou à tout belle ou à tchango kate. À sa première noire, ou à Zouaki, à Zalaki indépendant, l'Angleterre, mon bim. Donc, on a découvert que non, Mindele, bazo zoa, babandé ou zoa, moi, c'est, il y a noir, et, bali ko zoa moutoumouindou, tant que bazo somba moutoumouindou, et, bali ko zoa ndéne, bazoui valeur à moutoumouindou, basalango équivalent, na valeur ya mwasi ya Mindele ndenge mwasi ya Mindele bon wane zaki na ba ane 1700
déplacé. Et lorsque Bimisa qui paye Nene, les lois wana, ils ont l'église. Église baptiste. Église baptiste. Kase baloba angote. Boué bien ou pété. Première fois beau camp. Donc, ils ont l'église baptiste. De Bimisa qui loi wana, qui non. Moi, si Yamundele. Moi, ça Mundele, azale équivalent na mutu mwendo. Si koyo, Nathalie kote mutu mwendo, que non. Donc, dernier Mundele azozo, moi, si na, na cuisine, ba période wana, ya ba 1700, Mundele wandozo, moi, si na cuisine, alambe la kae, ata la cabana. Si koyo, bazozo, ape mutu mwendo, ya mobali ndenge wana. Na, bisko, kote moi, si, ya mutu mwendo. Neti, ba mama feza, ba baza ba tu mwendo. Mendele babandele soko kozwa mwasi ya mutu mwindo net mama feza boye azale ekivalent eneloko moko te donc kenon and donc kenon and mwasi ya mutu mwindo il faut atalaka bana ya mendele net bazwa bango lokola ndeto benga a child minder donc kozwa lokola batalaka bana mendele ba mema ba ona ba park ya wana film akunta kite za pe film mo bien ko découvrir ba bloc ebele ya wana o mona basa mutu mwendo baza siko onet batala ka bana mendele parce que baza na bango nécessaire te kaka mutu mwendo mobali de azale equivalent na mwasi ya mendele même méthode donc bazo continuer na otit jusqu'à présent ba changer kaka système. Il y a un des places qui peut s'engager motivation, peut colère spirituelle, na kuma, na ba découvert, na ba wana ba sali, livre na wana peut se ba référence et belé, la référence wana esa coexister jusqu'à présent, na ba bibliothèque, na ba wana caché, na mérite ba linga qui na te kangote parce que tant ba tangi on ba habité et que révolté un peuple noir. Combien on a pas jumqué casse mes blocs dans le bloc à ma casse. Parce que pour le moment, sans aucun livre, sans autre page belle, bah tu belle bas ça un peu craqué pour la économie crise, bah ma camoufle belle pour le moment. Pour la montée tant à livre amener ne comme il passe. Y a un fort comme livre volé ma montée montoise ou possibilité au temps là. Y a un donc y a un peu ventilateur. Si qu'au côté bah maman. N'est-ce qu'on cause ministère père ba maman, n'est-ce qu'on cause exemple biblique, y a Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, na kamata ya karanene, exemple en goka ande wanate, nga mona kitaki ti na terrain na Israël, na zui billets, na zui avion, ti na Israël, na keti na biba laksanga kote Madeleine avanda ovanda. Ba laksanga ti na cité mo, village mo amouke, bazo ben nao Magdal. Oleki dans Jérusalem, bangona Jérusalem baza distance à 5 heures de temps, donc aller-retour 10 heures de temps. Donc village Mora Mouké. Ah bon, Isaki, donc la ville Magdala. Magdala. Ah Magdala. Na komelongo Magdala. Yango baza ke ba Marie de Magdala. Pourquoi la net ba vu maman fait ça de Bundes. Non, de Congo. De quoi? De la FSA RDC. Il y a un Congo, il y a un Magdal. Ah, ils allaient moi village moi boyé. Au Tewalandé, et donc ils allaient tant on a je n'ai pas seulement géographie n'ango, ils allaient espionter. La géographie n'ango ils allaient tant Jésus-Christ, ils allaient Kobanda, Nazareth, tu na Magdal et Banda aux 3 jours. Trois jours nanzela. Tant que Jésus-Christ a Nazareth na bangomba wana, aye wana na Magdal, na village wana, après sikoyo, akeye na Capernaum, pendant kouta na Pierre. Bon, sikoyo, ezaye le wana village mo kal, ya skal, banda wana la skal wana, ya wana na kitagiti wana na terrain, na étudier vie personnelle ya Magdal. Magdal est personnel et mon son sort un livre au cobandole la yomoro. Nao l'oukana translate un peu en français. Donc yomoko robanakole la, ils allaient rejection, pardon, bazo rejeter ministère à moi si.
Ne bamsu balobara ke non o bible kutu bakomi ministère ya mwasi eza approuvé non nga na oloba ba rejeter ministère ya mwasi na livre à partir ya bécriture bozotanga bible malamu te place moko te ma ba bimisi penza ministère ya mwasi penza bona mozindo ya wana sikoyo théologiquement il faut sikoyo ko bimisa ngo sikoyo ndenge bakomi yango na ba parabole ba boyi ko komango visiblement pour la paix basse ba koma roloba makase ya wana ba zumi ni sa moi se ba kwesika mo kote na bible ngai don na koki roloba ke non and ya muta koki roloba na tala yango ba convaincre non ezande sokinde roloba yango théologiquement na ba prouve na la mona ki tango Magdalene Marie Magdalene abandaki ko roloba sur Jésus Christ ba disciples eux-mêmes babanaki ko boya ye aloba sur Jésus-Christ le preuve en eux tant ou dans akena tombe Jésus-Christ alobi apesi bango message que non tombo ezaki ouvert mutazala été pourquoi ba vanda ki te bandimi pourquoi Pierre a tellement ki dans akewo vérifier esa philosophie akewo ko résoudre problème à quel temps pourquoi avant d'acquitter Andine pourquoi tant Philippe un Philippe ou bien Thomas un Oye donc à l'obéir que non Andine était à aux hommes sapinés à tiens on a ma beaucoup à Jésus Christ and le narrante donc il was entre Baumbalé donc and au moment où Isaac est au logement à Kangara bas chapitre me bimbo donc pourquoi que non le balobaki na Philippe tomoni bona boy pourquoi Philippe a chaki tembe dans les questions là pourquoi bandimaki Marie Madeleine te tant que na yeki ko memela bango sango ke non ah écoute man toke kuna tombo ouvert pourquoi Pierre a kenda iti sus pona ouvert fait pourquoi ndimaki kakate ici quand lande au romona ba mo beta minoko comme ko tatone bona boy bon score basi mi suspect que no bateara balobaka que no rote and omonakite amonaki ayokaki akeyi kotea akepe kopesa basi nene amedon amemi sango ezape na carte évangile to boite la question est là pourquoi Pierre avant d'acquitter Andimi c'est ça deux fois que nous se demande pas le mona doute côté basi achagi toujours tembe Marie Madeleine, combien de fois elle a été rejetée? Je suis au tel bien, tant qu'on a dans sa recherche, parce que moi j'ai fait des recherches. Dans un homme, il y a un homme qui a été rejeté, bato ba tchaki ba texte wana ba texte biblique wana ba passage wana ya batombo ezale un nicéen ezale cancel oyoyo ezala ki basé pour la maloba nzambe na gouvernement ya western ya west awa et puis and matelita mutaki ke non ko convaincre bandene ba gouvernement ebele na west awa pour la maloba nzambe pour le moment, et c'est qu'à mon côté, Bible est vraiment quoi appuyer vraiment ministère. Moi, ça a obligé à l'Oba, dernier moment, dans la zone où l'Oba est vert de conscience, bah, tu veux dire, contredire. Pour le moment, et ça, déjà, philosophie, mon côté, déjà, ils allaient déjà travailler bien avant au pardon qui a parti, parce que Nicéen est bandé dans 320. Dans 320. Tant qu'on va bandé, qu'on composait Bible. Est-ce que Bible, elle bosse, ba tumbaka yango ba boyaka yango ya deuxième de ba esko ko convaincre ba tout 3421 Alexandre Abimi 1500 Nana Abimi Martin Luther Abimi ba John Calvin Abimi ba réformation na Abimi de ba yo sala pena ne and James and roi Jacques Abimi pour la recomposer Bible yango na Bible ça vraiment ko pesa penza quoi appuyer pendant ministère moi c'était parce que à partir de l'organisation on va venir coacher nene babane ko sentir ba texte biblique c'est comme moko
et pile susu na 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 o nini and yosoko tangi ma biblique bien wana na ndo développango na émission nga donc keno and pono mona Marie Madeleine Jésus-Christ a linga ki e makase soko tali yango bien yango na mona ba critique msu yaka o azara ki mwasa Jésus non parce que Jésus-Christ aza le père d'amour Azali le fondateur d'amour. Donc, bak lokola de Marie Madeleine, yango je ki sa wanda o linga ba o mingi, ebi ke non, bingongo na bango, eyo kanarate. Kasi me bazali très utile na communauté. Bazali très utile boe na boe. Yango la même, donc, Marie Madeleine, azali, ou azali kar o, mama moko banda o lamba, banda o lamba, Jésus ki te, non. Azali ki pe parmi, azali pe moko ya ba potre. Donc on peut vous bénir théologiquement le ministère qui non Azara qui apôtre apôtre Marie Madeleine parce que pour nous comme apôtre il faut que nous trois évidences dans mon moment voilà théologie que non il faut osala pour nous comme apôtre donc il faut osala mutu oyoyo donc au yalara tango Jésus Christ Azara qui après osala qui na nene na loi ya Jésus Christ et puis donc on a là qui peut la résurrection il y a Jésus Christ comme le moment c'est quoi Marie Magdalene Azara qui na Jésus Christ na ba porte news na loi Jésus Christ Azara qui basse au bain qui na c'est y a quoi pour na hôtel à Jésus Christ donc Jésus Christ au bain qui femme enfant prendre and au bain qui moi si je dois moi non donc Marie Madeleine Azara qui peut parmi moi troisièmement nazala mutuna moko Magdal parce que ba mboka wana excusez-moi en tout cas ba mboka na parfois le nom a toujours eu une signification Magdal ça veut dire quoi normalement oyebite Magdal wana non on peut ça une réponse parce que parce que naoki que Bethléem Bethléem balobi ezaki maison du pain. Bon Magdal bon côté quoi là. Mais nous pas se renseigner encore. Et là quoi et le bama et na loba ya makasi donc ezala na deux langues et hébreu na nini na eh ba période wana donc ezala ki de la grammaïque na hébreu na ancien hébreu. Sikoyo ezali hébreu moderne. Hébreu moderne ezali hébreu esangani na arabe arabique. Donc sikoyo en grammaïque pe donc elobama ka ba côté wana nga na loba. Ba côté ya Magdal. And donc de Magdal na oluka nene na okomelao nene en definition nango ko nene en signification nango pour le moment nebi na onte donc il faut natala en dictionnaire nango ou bien na koma kiango na ne parti mususu na nene en na livre nanga and yangwana ete and pona olobete le plus important là et que le ministère à moi aussi ils ont mentionné vraiment vraiment la Bible était aux hommes basali que nos basalités casse basali que nos bas quitte ça un valeur à moi aussi bibliquement non bibliquement y a moins le monde bas pouille bas point moi ça coquille vous le battez et pourtant apôtre Paul a le bâti de façon honnête aux hommes banane c'est qu'auteur n'est à comment la Bible parti dans la Bible. Est-ce que Zaki apporte pas la comment est-ce qu'on a auteur Zaki Kokoma? Ayaki Kokoma. Donc ce que le gouvernement a Nicéen Alexandre Martin Luther banan wana avant ba composer Bible. Ba yoko appuyer ba point mususo yo pour être dans aider politique na bango pe. Aider pe politique ya monde ou. Donc Marie Madeleine donc abandonné qu'au pèse ça bah évidence donc Azala qui l'un des apôtres Azala pe apôtre
Bango Basiwana Babane Olanda Jésus Christ jusqu'à la fin de la résolution. Tango dont Jésus Christ a son mata, Marie Madeleine Azalaki. Ils allaient trois signes à confirmer que non, Azalaki apôtre. Kasime ba mansona été, bazoye ba rejeté. Bazoye a passeré pourquoi Azamouasi. Ils attendent que passeré dans Azalaki mana ba démon. Yawana, en le yosso hôtelé ming, Jésus Christ en a obimé là. Marie Madeleine ming. Parce que dans la banane qu'on sentait rejeté. Aux hommes, netipé, nanene, ba maman, bazar trop rejeté, nanene, na communauté. Aux hommes, mindele baepe na makabalungwe makambwango, ba kiti na ngoti na Afrique, bazozo ba ser, ma ser wana ba église catholique, bazola tsa ba kitambala, ba ngombo balata kitambala te. Tout ça ezali signe ya nene. Il y a réjection, quoi. Réjection. Aux hommes, bah, tiens, on peut quatre dans la Bible. Ils ont dit que non, oh, Bible, le Bible, il y a un bisou, tout ça, non. Ils ont dit, bah, tiens, en gros, mentalité, na bango, bah, comme elle, n'a pas eu Bible. Aux hommes, parce que, qu'il n'a pas eu ta histoire biblique, awa, pour le moment, il n'a pas eu l'accès, point, oyoyo. N'habite que non, et n'a pas autant la Bible après n'expliquer non, et ça que non, Robert Andenge, Babanda, Kokoma, histoire. Histoire Andenge, Babanda, Kokoma, composé Bible. Pour le moment, la base, il peut participer au gouvernement, et que non, il y a politique, ou que non, il y a un cas de la Bible, n'est parti, il y a Rosomba Moutou, ou un esclave soit soumis à ton maître. Yangwana babi keno makansi na bango keno ba keno kusomba bato mwendo na tango mutu mwendo alinga loba soit soumis à ton maître apôtre Paul a muta loba kyo pourquoi donc tout ça bazara toujours keno ko supporter c'est ça aux hommes en yangwana était ministère de la femme donc ils allaient vraiment yangwana basi ba maman ba bunda na menge pona ko s'exprimer ba pesa ba element moko valable bibliquement que non baza pe na liloba au moins net na mona maman monsieur dernièrement à congolais donc azo bunda na penda pona ko pesa ba element biblique quand on a eu wana n'expliquer a bengi ma muto ngwa lo moins musa na nzamba zalia azo ko expliquer biso que non de moi si pas appel à droit donc ya hauteur ya pression moni que non ba kangisa ke na kwe mo boye parce que bibliquement donc elle ko pesa nene ba point penda tangible te neti autrement un bon exemple comme son a commis à la même livre après c'est exemple il y a Mariam ndeko ya Moïse autrement dans Bible commis que non prophétesse Mariam tant bakati ça qui main rouge nana banda qui un système il y a louange et adoration biso to baka David kasmezali moi si Mariam de abanda qui makambwana tant Ban Israël bakati en main rouge après abanim bamo koemba bakomi pe que non prophétesse Mariam ndeko ya Moïse on mona en basse waza très capital donc il y a un gouvernement dont ba yo sala que non l'état donc ayo ko sala que non moi se baza la na lilobate kati na communauté so ko tale même ba nene ba répondre ya mikolo e komi pe mingongo pe ya basi kasmena era kala donc répondre zalega mingongo ya mibali na ba train na ba aéroport zalega mibali na mibali tout ça il faut ba mama donc il faut que place bozali il faut botter le maga pour pe ça hein bozala te kara ki non un de nasima bona boy un nanene nasima donc na binet na ba cuisine bona boy non il faut que non bobini sanene mengongo na bino parce que bozali pe très utile quoi ya mwana bit na nga ya okuma nanene livre au tala le col Afrique pourquoi la tourole de la Afrique réveille des consciences en Afrique. En Afrique, il n'y a pas une présidente. Il n'y a pas une présidente.
seulement des présidents, seulement des rois, seulement des présidents, seulement des rois. Mais en Afrique, il n'y a pas une présidente, tu vois. Il faut que non, les mamans puissent parler maintenant. Non, il y en a maintenant. Après, il y a, je crois, Libéria. Récemment, il y a eu une première femme présidente aussi en Afrique. J'oublie le pays, mais il y en a quand même. Hein. C'est vrai que c'est assez rare, mais il y en a quand même. Il faut qu'elle parle aussi. Voilà, monsieur Léon Kabasele, pour commis la souka émission Nabiso, parce que voilà, le temps aussi, compte tenu, il y a vraiment à ma disposition, paye à ma Kamboum Soussou. Donc, tu commis vraiment la souka émission Nabiso, on a remercié pour avoir accepté l'invitation. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, hein, vous en a beaucoup informé, beaucoup à dire. Là, je signale aussi les auditeurs, c'est que vous allez encore revenir le vendredi, c'est-à-dire après demain, hein, vous serez là. Oui, hein, oui. Donc voilà, donc le vendredi, nous avons, je rappelle encore, nous avons une émission assez spéciale à l'occasion de la fête mondiale de la femme. Cette fête mondiale de la femme africaine. Donc pour cette occasion-là, vraiment, nous tenons à ce que les femmes puissent encore écouter ce que les autres femmes aussi survivent, ce que les autres femmes aussi font dans leur combat, hein, le combat quotidien que nous avons de tous les jours, parce que bon, nous ne parlons pas simplement qu'à combat, il y a contre la femme violée, non, il y a combat aussi des combats tels que combat quotidien de la femme africaine. Donc, Ezali Pe, Malam Mingi, Pona Batu, il y a Konuka vraiment Koye Bayango. Eza Kosenga vraiment, na Biso Batu, Oyo, Zolo ba sur la prise de conscience, que Bandeko, Bo, donc avec quand même n'abat occasion bah émission le cola y a boyé pour baxasso sur la connaissance nabino et zali malamu et aller la profondir n'abat recherche nabino oyo bokoki aux alanango quoi. Et alors na katiwana na koki quand même pour soulever quelque chose que le 8 mars à partir de 20h, donc y a on est au cas l'occasion la fête mondiale de la femme pour apporter vraiment information sur la condition de la femme en Afrique. Et puis, après cela, il y aurait quand même peut-être un temps de pause, peut-être de 20 minutes ou 30 minutes, pour que M. Léon Kabasele puisse aussi dire quand même quelque chose. Donc, voilà, Tosengi, musique, il y a 2 minutes pour Natosa, la fin, la conclusion, la bisou, la monikuna, bazali, peko signale, ngaï. Donc, Zali et le Komoko, très important, Bandeko, Totiemwa, Ikram, Kibomo, la bisou, nous a vraiment... en direct la Katia Radio Espace Nabiso ya Am Africa. Donc voilà, eza kosenga musique na na studio na régie à mes côtés la biso pose parce que to comme na biso na suka, donc bientôt 23h30, donc to lini ku tout mais ma biso na minuit vraiment le temps to bandi pe retard, mais tout ça li déjà, je pense que déjà dès ce que mes monsieur c'est déjà 2h, c'est beaucoup parce que la capacité d'écoute ya batupe ezali ya kolemba mingi, mais le quoi tu as qu'à 2, voilà, ya le prolonger ici. Voilà, ngulu mankosi là c'est vraiment zembo ya Esther Akawa. Bisa ambe moba teli
tozonga na studio na bito, toza tozonga, tosemi na régie, asoce. Ici qui vous l'a émigré, tozo koma na suka na bito, conclusion na bito à 10 minutes. Ici qui m'a dokita déjà, poto stili sambala moko. Et pour vous aller, il faut que mercredi prochain, à la même heure, 20h30, sur notre émission Éveil de la Conscience. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est la chanson de Esther Atawa qui est censée de sauver. Si vous êtes prêts pour les paroles, les gens à la Malobawana, vous êtes prêts quand même. Et ça, c'est la chanson. Voilà, tozongi susuna kati ya studio na biso na yoki baiko na yebite loko nini eliezo kalisuzu paske ezalaki te baiko nde kupa kanga mikro na ye kaka tokomi na suka vraiment, ça c'est vraiment la fin de l'émission. Donc nous vous disons simplement merci. D'abord je commence en français. Nous avons voulu parler des faux calculs. Faut jamais faire des faux calculs dans la vie pour avoir des faux résultats ou des résultats négatifs. Je ne sais pas pourquoi j'attends des échos, mais revenir, mais ça ne fait rien, je vais quand même m'efforcer de continuer. C'est la fin de notre émission. Le studio, le régime, j'attends que ça bouge fort vraiment des côtés là. Les échos reviennent, mais ça ne fait rien, nous sommes à la fin. À la fin, merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Émission de la conscience, chaque mercredi 20h30, à défaut une rediffusion si jamais il y a un imprévu. Mais voilà. Donc là, nous sommes à la fin. On a parlé sans faux calculs. Tout celui qui fait des faux calculs dans sa vie, tout celui qui a des mauvaises intentions, n'aboutit toujours à de résultats négatifs. Donc, il faut toujours réfléchir. Il faut jamais, jamais, jamais avoir des mauvaises intentions sur des gens, des mauvaises intentions sur d'autres personnes. Et aussi, vouloir atteindre un objectif quand même positif, il faut aussi avoir vraiment bien réfléchi pour atteindre aussi ce résultat-là. Et c'est ça, c'est que je dis, je sais pas pourquoi je le dis. To komina suka ya mission to lobi faux calcul ndeko. Tika ukanisaka makanisi ya mabe ko beta ba idée ya mabe pour atteindre loko moko ya malamu. Et ko simba te ko bota mbuma ya mabe. Alors etumba na biso bana poto bana diaspora congolaise. To luka to yo kana to luka to solo la parce que zali kambo ya mboka, ezali te to bomana parce que soki totali malamu, biso na biso tozana vraiment na problème mon côté et à part bah bazala ba problème privé o ana to sengi na bango ba bomisa bango na bango to komi na suka mukile komi na makabwa mabebele il faut komi lengele donc komi lengele ndenge balobaka na monoko na biso na lingala faut komi lengele vraiment. Donc c'est pour dire que bande ko na ngai s'il vous plaît to zongi na kati ya plateau na biso pona kolobela bino ka ba moya suka donc pona ko suki sa vraiment na ko senga na papa na biso akolimbisa parce que temps epusani makasi et toza pe na besoin régi pe aza na besoin koto na ye pe kuna ko pe mamuke et biso pe toza na besoin pe ya ko pe mamuke mais na ko suki saka kandeko. Voilà, je fais un rappel rapidement sur des émissions qui vont encore se suivre cette semaine dans notre espace audiovisuel Amafrica World. Amafrica World, oui, amour maternel du monde Afrique et pourquoi pas le monde. C'est-à-dire tout ce qui est autour de nous, nous voulons aussi le changement, nous voulons du bien. Nous ne voulons que du bien et que du bien. Voilà, donc ça fait que bon, maintenant nous allons simplement vous dire que demain jeudi, le 7 mars, vous allez voir sous notre plateau notre émission Afrique, terre d'avenir, qui sera donnée par notre compatriote et secrétaire de Amafrica, notre compatriote d'origine togolaise, Monsieur Chababa, qui va passer et faire son émission Afrique, terre d'avenir. Et à partir de là, il y a aussi l'invité. Nous allons inviter vraiment un militant qui est vraiment en train de militer aussi pour le pays, le Togo. Il y a aussi des problèmes de ce côté-là. Notre invité de demain, enfin son invité de demain sera Monsieur David Takpara qui va venir. Je crois que peut-être que vous le connaissez, mais il sera son invité et peut-être que je vais assister à cette émission, je vais voir. Et vendredi, n'oubliez surtout pas, c'est le jour, le mois de la femme africaine, le mois de la femme tout court évidemment, mais nous, nous allons parler de la femme africaine. Donc ce vendredi, soyez branchés à partir de 20h, c'est pas 20h30, mais à partir de 20h, soyez déjà connectés et soyez pas
station, dès que l'émission démarre, vous allez écouter les femmes qui sont vraiment des femmes instruites, des femmes intelligentes, des femmes sages, des femmes dynamiques, des femmes de distinction, des femmes qui se distinguent des autres, des femmes debout pour leur nation. Les femmes là, elles vont répondre à l'invitation de notre plateau sur à l'occasion de la conférence de base sur la place de la femme en Afrique. Donc soyez branchés, vendredi il y a des surprises aussi ce vendredi là, donc soyez vraiment branchés. Et comme nous allons commencer plus tôt, nous allons finir aussi plus tôt pour que notre monsieur l'évangéliste Léon Kabasele va passer avec son émission Les Missionnaires en Afrique. Voilà le sujet qui intéresse aussi à des gens qui ont souvent l'habitude de parler sur les missionnaires en Afrique. Il va le parler. Il aura à le parler. Et si vous avez des questions, des questions capables de vous amener quand même certaines lumières sur d'autres sujets, prière de nous écrire, comme nous vous avons dit, émission en pluriel, c'est-à-dire avec S à la fin, @amafricaworld.com. Émission avec S à la fin, @amafricaworld.com. Là où vous mettez le sujet de l'émission et vous mettez aussi vos suggestions ou vos commentaires ou je ne sais pas. Et alors, on va en commenter ou on va, s'il y a des encouragements, s'il y a des remerciements, s'il y a des questions à poser, écrivez sur cette semaine émission avec S à la fin, @amafricaworld.com. Et aussi, n'hésitez pas, nous sommes aussi sur Facebook, Monsieur Kabasele, il est sur Facebook, Mama Feza, elle est sur Facebook. Donc, si vous voulez nous contacter, nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi, pourquoi pas, donc, disposés aussi à vous parler par aussi le numéro de Skype. Voilà, c'est que je peux dire simplement, bonne soirée à vous tous là-bas, les gens de l'Amérique, l'Asie, Europe, Afrique, bonsoir à vous tous qui nous avez écoutés et vous qui allez nous écouter à la rediffusion. Mbote na bino roi bola la malamu pongi a malamu pongi voma kitoko pongi pesa hein pongi wa lele sa kitoko bola la malamu malamu. Je vous aime beaucoup. Donc éveil de la conscience, amour, conscience, réparation, trois mots. C'est ça qui va déterminer la victoire de notre combat. Aimons-nous, 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 pardonnons-nous, aimons-nous. Et l'amour que nous allons parler ici, c'est l'amour de l'autre, de ton semblable, l'amour de notre continent. L'amour, il faut aimer ce que tu vois, ce qui est palpable. Il ne faut pas aimer ce que tu ne vois pas. Parce que celui qui aime, celui qui ne voit pas, il n'est pas sincère. Donc, commencez par aimer ce que vous voyez. L'amour, c'est ça qui va nous pousser à aimer ce qui souffre en Afrique. Le tendre la main, afin qu'ils sortent aussi de toutes ces souffrances. Conscience, parce qu'il nous faut la conscience de comprendre notre existence et le monde extérieur. Oui, pour mieux agir et préparer le futur. Réparation, parce qu'il y a les ruines. Donc, Bandeko, il faut tobogi ça. Hein? Réparons ce qui a été détruit en nous. Voilà, bonsoir, au revoir, monsieur le régis, je vous remets la parole là-bas. Musique, Batobola la Malamou, émission Nabiso Komina Souka. Mercredi, tozongi na bino lisusu na 20h jusqu'à ce que tokoyoka musique ko résonner nde ya ngwana tokoyeba kotika koloba. Mais tant que tokina nuté, je vous dis simplement bonsoir, bonsoir monsieur Kabasele Léon, merci pour l'invitation, merci de votre présence et je pense que batubakoyoka lisusu mokolo ya vendredi. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Bongisa penza sur le missionnaire en Afrique. Wana et kozala vraiment tant na yo koloba et kozala malamu vraiment bousso na koto pour la voilà, voilà. Bonsoir. Au revoir. Le sambo de hauteur. Le sambo rendez-vous à Balongi. Le sambo rendez-vous à Motola Nzambe. Alléluia. Dekoko banga banga te. Uyo wa sala elaka akusakate ya umela yeya bongwa nakate Biblia itali sibiso kusa renome Sita kruya kote l'accomplissement de ses promesses. Ce qui passe et les qui, et si pas kata et moni se li, dengue comme la qui va y colline, c'est la y maïs. Mais si tu crois, tu verras la gloire du Dieu, et si un seul est maïs, comme un autre colombo la gâteau.
kambo na ngai na koma pembeni na yo oh Yesu na muna elongi na yo A cet appel à la montagne, Seigneur. Mbombande arena yo Yahweh. Le sambo de adresse au ciel na yo kolo. Le sambo de fils de l'atterrissage na yo Nzambe. Alléluia. Oh Jésus-Christ qui est Dieu a eu le courage d'affronter la mort. Kizalaki. Oh les lotos binami basali peba nanzabe. Non so pouete mon sale salama. Oh kizaba yenge beni. Solo kaya basantu. Delo sabo hezalaka. Bayebi sekele ikoluya gomba oh Abraham kutu ye papa ya kondima abenga nzambe Jehovah Jireh ikoluya gomba yawe yomoni sangu ya makasi kuna na ngomba Carmel okwa isaba profeta bala ikoluya aleluya oh Moïse Aaron a eu rebilombe na kondima balonga libota hamale ikoluya